Boom. Franchement, les nouvelles maps, je sais pas si vous les avez testées, qu'est-ce que vous en pensez, je sais pas où vous en êtes avec ça, mais je les trouve plutôt très cool, j'avoue. Elles sont juste moins belles. En vrai, elles sont juste moins belles, je trouve. Moins détaillées, moins bien finies, je trouve, quand même, honnêtement. Mais elles sont assez agréables à run, vraiment. Elles sont plutôt agréables à jouer, et c'est le plus important, quoi. Assez positif, genre pas ouf. Non, vraiment pas. Non. Assez positif dans le sens... je peux pas encore juger les maps là, vu que j'y ai joué entre guillemets que 3h30, 4h. Ce qui est déjà pas mal, mais pas encore assez pour donner vraiment un avis définitif. Tu vois, par exemple, Promenade à Paris, que tu vois là. Promenade à Paris, la première fois que je l'ai joué, je me suis dit... Mouais, bof. Genre, vraiment. En fait, vous la voyez pas, Yamakam. Boum. Promenade à Paris, que vous voyez là. La première fois que je l'ai joué, je me suis dit... Mouais, bof. La deuxième fois, je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu mieux. Et la troisième fois, je me suis dit, en fait, elle est trop bien. Donc, tu vois, c'est difficile de juger. C'est vraiment difficile, je trouve, de juger. Genre, elles valent leur prix. Alors, elles valent leur prix. Encore une fois, c'est difficile de répondre à cette question. Par contre, si vous voilà. Partez... Ah ! Par contre, si vous partez juste Allô du principe que c'est 25 euros les 48 maps, ah, en gros, c'est 50 centimes la map. Donc oui, je pense que ça vaut le coup, 50 centimes la map, tu vois. Dans bah, super, bah, je vais en profiter oui, pour non. mettre le... Je t'entends. Ah, bonjour. Bonjour, comment il va Antoine? Ouais, toi-même. Ça va bro, je crois qu'on a le son écrasé quand on parle en même temps, issu de ce super logiciel qui est Discord, mec. Oh, c'est pas vrai. Pourtant, moi, tout est bon normalement. Attends. Ouais, moi aussi, mais je décoche, je recoche souvent en vrai. Ah, et ouais, attends un peu. C'est... Moi, j'ai réduction du bruit qui se recoche tout seul souvent, c'est trop chiant. Hop, voilà. Ah oui, tout est littéralement décoché, bizarre. Ok, nickel, non mais nickel, c'était peut-être moi, parce que moi, c'était recoché. Nickel. Tout était coché, hein, je veux dire, globalement. Ah, tout était coché. Oui, tout était coché. Ah, quelle angoisse. Attends, ok. Je vais le voir le Discord, ça marche. Oui, parfait. Ouais. Je vais monter un peu ton son. Hop là, super. Je pense que ton son est nickel chez moi, en tout cas. Je pense qu'il est nickel chez moi aussi, Antoine. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, mec. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ça fait c'est putain fait de vrai. Longtemps. Ça fait très plaisir, bien sûr. Ah, ces nouvelles maps, j'ai seulement essayé la moitié des courses. Ah, t'as quand même essayé. Ouais, vite fait, après avoir installé, je me suis dit, vas-y, je lance vite fait juste une coupe, la première. Ouais. Et ça m'a fait plaisir d'être un peu à Paname, vois-tu. Ouais, un petit tour à Paname. Paname, quoi. Un petit tour à Paname. Petit délire haussmannien, là. Oh un petit délire haussmannien, là, qui m'a régalé. Mais apparemment, le vrai Banger se trouve dans la deuxième coupe, c'est le Dojo machin, là. Ah, le Dojo Ninja, c'est clairement une des meilleures maps Mario Kart que j'ai pu faire overall, tu vois. Le Dojo Ninja, ça s'appelle comme ça, quoi. Oui. Oui. Le dojo ninja. C'est un dojo ninja, man. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien sûr, le dojo ninja. C'est un dojo ninja. Bien sûr. Et qu'est-ce que t'en as pensé, du coup? Genre, si tu les as fait qu'une fois, je suis assez curieux d'avoir ton avis, genre sur Promenade Paris, Circuit Toad et tout. T'en as pensé quoi, toi? Circuit Toad, c'est assez osef, mais ça reste assez sympa quand même. Promenade Paris, c'est cool, surtout le troisième tour qui change, qui est à l'envers, là. Ouais. Qui est sympathique. Supermarché Coco, j'ai été, ça m'a fait plaisir de le rejouer, mais je le trouve en vrai moins bien qu'à l'époque. Je sais pas, je l'ai trouvé un peu plus fat qu'avant. Mou, en vrai, un peu mou, je l'ai trouvé. Surtout le fait que les voitures, on en parlait à la fin, les voitures bougent pas à la toute fin. Tu sais, t'as les deux voitures qui, tu sais, à la toute fin. Ouais. Avant, t'avais deux voitures qui bougeaient, et là, elles bougent plus du tout, donc c'est un peu dommage. Oui, elles sont strictement immobiles. C'était quoi ? Montagne Choco. Ah, Montagne Choco, c'est un bon rework, je trouve, parce que la course pouvait avoir un peu mal vieilli, parce que c'est quand même une vieille course de N64, et je trouve qu'ils l'ont un peu plus varié, ça reste pas... Je trouve que c'est pas insane, mais c'est sympa, quoi. Ouais, je te rejoins. En vrai, je te rejoins plutôt sur l'avis. Supermarché Coco, c'est un avis qui est assez général, hein, ce truc de... Rayou. Ah, ça va être toi, Rayou ? Ah, très bien, ça va très bien, ça va très bien. Alors, t'as tous les records du monde sur toutes les maps ou pas encore, mec ? Bonjour Ultia. Bonjour. Je t'ai vu. De quoi? Comment? Bonjour Ultia. Bonjour. Salut, ça va? Salut. Ça va bien Ultia? Ouais, ça va. Antoine, je l'entends vraiment pas fort. Attends, j'arrive. Quoi? Pourquoi? Ah voilà, ça y est. Ah non, il est juste dans un cercueil, mais... Mais non, bah... Oh, non. Pas encore. Ne pas va pas trop vite en besogne, s'il te plaît. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir. Comment ça va? Mais ça va et toi, Florence? Voilà. Ça, va, ça commence bien. Hein. Là, ça commence bien. Il manque JD et Rivenzi. Ouais, bah comme d'hab, en retard. Je pense qu'on peut pas trop compter sur Riv, malheureusement. On va peut-être faire la soirée sans lui au pire.
Est-ce que je peux vous poser une petite question, mesdames et messieurs? Oui. J'ai fait un petit pré-live pendant 30 minutes où je mettais les sons de notre enfance, c'était les années 2002, 2003, 2004. Ok. Ouais, les sons de ton enfance, ouais, du coup, ouais. Ouais, c'était ouais, la quarantaine dans toi. Parce que bon, j'étais déjà marié deux enfants. Quoi. Ouais. C'est vrai que bah, toi, t'avais déjà 40 ans, quoi. Mais c'est quoi le son dans votre tête qui sonne un peu de votre adolescence? Eiffel 60. Ah non, adolescence. Adolescence ou enfant? Adolescence. Je comprends adolescence, pas. Adolescence, adolescence. En fait, moi, c'était plus adolescence que enfance que j'aimais. I got a feeling des Black Eyed Peas. Oh ouais. Très jeune. Moi, pour le coup, j'étais déjà en études supérieures, je crois. Moi, c'était mes 15 ans, moi. Tomber la chemise, moi, mais... Moi, je pense... La Kung-Kung Mania, bien sûr. Gaga. C'est pas 99, ouais, non, c'était pas mon adolescence, c'est vrai. Bonjour, Rivenzy. Just Dance. Bonjour, Antoine. Salut, Rive. Bonjour, Rive. Bonjour, Ponce. Tu veux dire bonjour à tous? Bonjour à toutes et à tous, évidemment. Ah, ok, d'accord. Vous retrouvez... Le joueur Zilan. Ponce, la Switch. Ah oui, le joueur Zilan qui a décidé de sortir de sa grotte, effectivement. Après du train intensif, bien sûr. Non mais, hey, Rivenzy, j'ai vu un move sur Apex, c'était chaud. Ah mais je l'ai vu derrière la offline, il est exceptionnel. Non, non, alors, non, mais c'était après 12 heures de stream. Ozone. Je suis désolé, je suis encore sur le sujet d'avant. Dragon Ozone, Dragon Sanité, en vrai, c'est un peu ma fin de collège, ça. Okay. Putain, c'est la fin de collège, mais t'as 1000 ans, frère. Mais oui, j'ai 1000 ans. Moi, Dragon Sanité, je me souviens, on écoutait ça mon dernier jour de 3ème. Ah ouais, mec, t'es particulièrement vieux. Je me posais une question. J'ai seulement 2 ans de plus que toi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Chez moi, j'avais pas le single Ozone original, tu vois. C'était pas Dragostalité de Ozone, c'était la version. La version énergie. Massimo Gardia. Ah oui, Massimo. Ah oui, j'avais que cette version et j'écoutais que cette version et pas Ozone original. Du DMCA. Attends. Oh, Massimo Gardia. Oh, Massimo. Oh, la menterie déjà à cette époque-là, c'est allô Ozone, c'est trop ringard. Moi, j'écoute la version Massimo Gardia. C'est pas celui-là que j'avais acheté. Attendez, j'avais pas l'argent. Deux secondes. Sympa. J'avais pas l'argent, ça y est. J'avais pas l'argent pour m'acheter le version Ozone, donc j'écoutais celle de Massimo Gardia parce que c'est celle que j'avais chez moi, quoi. Ah bien sûr. Voilà. Je peux comprendre, bien sûr, ça explique beaucoup de choses, hein, ceci dit. Peut-être que ça explique un peu trop. Peut-être. Peut-être que ça explique un peu trop. Ouais, effectivement, le move... Non, mais le move après Apex, pour en revenir, si vous voulez, il est pas... Oh, tu sais que... C'est un extrême... Je vais être honnête. Ouais, c'était génial, ouais. Massimo. Hein. Pardon. Oui, bref. Oui. Non, je l'ai vu en direct, ce moment, Rive. Je l'ai vu en direct, ce moment. Et j'ai pas osé écrire Massimo, dans le chat, parce que je me serais détesté moi-même en voyant des messages comme ça, mais j'ai failli t'insulter, j'avoue. Mais je l'ai pas fait, bien sûr. Je l'ai pas fait. Ah ouais, mais après, c'était pas évident non plus, le move. Hein. Bah, il est juste en face de toi, tu le colles et tu dis juste derrière... Ouais, c'est pas... Je vous... Ah, après, j'étais un peu stressé à ce moment-là, tu vois, c'est pour ça. Mais après, vous savez, moi, de toute façon, je... Bonjour, JD. Je suis un netteux. Hein. Bonjour, JD. JD, est-ce que tu étais majeur quand le jeu Mario Kart 8 est sorti? Moi est-ce que j'étais majeur? Oui. Non, non. Ah merde, j'ai rigolé. Alors que c'est une vraie question. Quoi? Bah oui. Mais attends, il est sorti en quelle année Mario Kart 8? Non mais 2014. 2014. Ah, 2014. Non, non, ouais. 2000... Non, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Ouais. Oh, j'ai cru que c'était une vanne. J'ai cru que c'était une vanne. Ah, j'ai dit 2014. Bah oui, j'avais 17 ans. J'avais 25 ans. Bah oui, je suis à 96, moi. Non, c'est vrai, oui, ça se tient, en fait. Terrible, quand même. Putain, c'est vrai, mec. J'étais mineur. Cette histoire, hein, dis donc, ouais. Ah oui, Florence, effectivement. Mais attends, je n'étais pas en train de me dire que ça fait depuis 8 ans qu'ils mettent les mêmes maps de merde, quoi. Non, t'inquiète. Il y en a des nouvelles qui sont sorties, il paraît, aujourd'hui. Ah ouais. Bah non, il y a pas des nouvelles cartes. Non, il n'y a pas des nouvelles cartes. Il y a une carte qui est sortie et c'est Dojo Ninja. Oh non. Je l'ai pas fait encore Dojo Ninja, hein, mais il paraît que c'est un banger. Hein. T'as fait les autres ou pas? Un banger. De quoi? Qui a fait quoi? Moi, j'ai juste joué aux 4 premières maps. J'ai joué à tout. Moi, j'ai fait une heure sur les maps. Moi, j'ai fait les 4 premières maps aussi. Tout à l'heure, j'ai rien vu encore. Et toi, le mytho, j'ai vu son stream en entier, il a fait 4 heures. Non, j'ai jamais fait 4 heures par contre. Non, il c'est déjà, une il a non, déjà 3 4, world, j'en ai fait 12. Il a 3 world records en taille. Après, on n'est pas là pour performer, quoi. Mais t'as vraiment des world records? Non. Il a bien perf. En vrai, il a bien perf. Ouais, c'est te dire ton niveau. C'est-à-dire que cette blague, je l'ai peut-être prise au sérieux, tu vois. Bah, t'es exceptionnel, Antoine, mais bon. Voilà. Et ton cul.
Oh là, ok. Oh, attends, mec. Oh là, non, mais bro, c'est les codes bonne guerre. Déjà le cul. C'est bonne guerre. Les codes bonne guerre. Écoutez, toi, je ne permets pas de parler de mon cul. Ouais, je trouve ça abusé quand même. Je trouve ça abusé quoi. Je suis un peu une fixette. Hein. Ouais, je suis un peu fixette sur mon boulard quoi. Ce boulard d'Antoine. Mais ça me fait vraiment trop plaisir de vous retrouver. Ouais, ça fait trop plaisir, ouais. Ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les raisons qui ont poussé notre groupe à un petit peu exploser et à pas refaire de Rebelzy qui est jamais dispo, je trouve ça abusé. Bah, c'était pas ça. Je pense qu'on peut revenir sur l'embrouille entre Étoile et Antoine, je pense, qui a fait un peu exploser le groupe. Non, mais voilà, non, mais qu'est-ce qu'on peut en parler parce que je pense qu'on va pas se relancer dans une soirée de fun, etc. Non, on est pas obligé. C'est bon, moi, quoi. Je trouve le fait qu'il considère que ma mère était une connasse, je trouve ça un peu non, trop. Je trouvais quand même que voilà, les limites avaient été franchies, mais bon, voilà. Il a, en fait, Antoine a quand même dit dans le texte, il a dit je vais débunker ta mère comme Stéphane Bourgoin, tu vois. Enfin, l'ambiance était un peu délétère à ce moment-là. On s'est dit mais que va-t-il se passer? Et donc c'est pour ça que va-t-il se passer, les amis? Que va-t-il se passer? Mais au niveau des compensations financières, tu t'es fait plaisir, Étoile, en vrai. Non, mais oui, bah, j'ai obligé. Bah, il y a quand même une charge procès, morale. Le procès, le procès. À une époque, on ne se parlait que par avocat interposé avec Étoile. Oui, ça a été en appel, cours de cassation, tout le bordel. Enfin, voilà, là, c'est réglé. J'adore le guacamole. J'ai ouvert la roue, si vous voulez venir. Oh, Étoile a ouvert la roue. On arrive. Non, mais on arrive, Étoile. Sachez que le procès a été filmé et JD fera une vidéo réaction du procès. N'hésitez pas, évidemment, je regarde tout le procès. Je rejoins qui, Rayou? Ouais, rejoins Rayou, on va rejoindre Rayou, Ok. Est-ce que vous voulez le site randomizer? Une erreur de communication est survenue instantanément. On peut pas rejoindre Rayou. Non, mais je refais, c'est parce qu'en fait j'avais break la room parce que je pensais qu'on allait chez Pont. Ah merde, j'ai break la room. 1500 courses ensemble, Rayou. 1500, putain, mais on est best friends. Ils sont bien. Ouais, bah ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez le site randomizer pour avoir un setup random ou vous en aurez un à foutre? Non, j'aimerais bien jouer. Non, mais je veux bien le stream kit par contre. Ah, bien sûr. Le stream kit? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, bro? Ah, pour les... Je te l'envoie, Utia, y'a pas de soucis. Ah, moi, tout est bon. C'est trop. Le stream kit encore? Je te l'envoie dans Blabla Streamer, comme ça, tout le monde l'a. Le stream kit, oui. Oui. D'accord, ok. Il est là. Vraiment, merci beaucoup. Attends, bah, qu'est-ce qui se passe là avec... Qu'est-ce qui se passe? Ok, guys. Let's go, les gars. Oh, le nombre de games qu'on a, par contre, c'est nimp. J'avoue. Juste, Ponce et Rivendi, vu que vous faites la Zilane, vous avez vu les changements de règles? Oui. Non, c'est passé quoi? J'ai pas vu. C'est les équipes de 27. Non, en fait... abusé. Riders Republic a été supprimé de la deuxième phase de pool. Et c'est Hot Wheels à la place. Oui. En vrai, c'est dur. En vrai, c'est dur, ouais. Mon jeu préféré, Florence. Moi, j'ai... En vrai, j'ai tellement joué à Hot Wheels, du coup, je suis un peu content, mais j'avoue que c'est un peu chaud pour les teams qui avaient grave Train Riders. Oui, parce qu'à la base, il y avait Riders en première et deuxième phase de pool et Hot Wheels en quart. Enfin, à partir des cas. Ouais. Et du coup, ouais, ça change un peu tout en vrai, j'avoue. Mais bon. Ça change de ouf, ouais. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Excusez-moi, je débarque. Aucune idée. Très bien, super. Peut-être Riders n'est pas hyper adapté au multi. Moi, j'ai essayé d'aller m'entraîner sur Riders sur les Mass Race, mais sauf qu'il y avait personne en ligne en fait ce matin. Hein, du coup, j'étais en mode bah yes, trop envie de jouer. Et à 10h. Sur les Mass Race, c'est pas un peu un dead game. Mais quelle idée de jouer à 10h du matin aussi. C'est grave. C'est pour ça. Mais il y avait personne. C'est un dead game, Riders? Non, c'est pas un dead game. Mais t'es sûr, Evandy? Parce que j'ai fait genre. Moi, j'ai fait les Mass Race de 6h, 6h30, 7h. J'ai dû mal tomber sur un Mass Race de 11h30, il me semble. Et genre, il y avait vraiment. Le chat, j'étais en live à ce moment-là, j'étais en mode bon, on va faire une Mass Race. Et ça proc le lobby. Et c'est en mode nous avons trouvé aucune Mass Race. J'étais en mode. Quelle plateforme tu joues? Je joue sur PC. Ah, PC, non. Du coup, le ponce, la Switch de ce soir, il se fait sur Chocobo GP, on est d'accord? Tout à fait. Tout à fait, Chocobo GP. Ma licence préférée. Vous l'avez testé ou pas du tout d'ailleurs? Quelqu'un l'a testé? Non, j'ai la flemme. Ah, tu l'as testé ou tiens? Moi je l'ai testé. Ah oui, c'est bien. J'ai joué. En vrai c'est bien ou pas? Bah, en vrai, t'as surtout l'impression que ton Gugus, il est pas sur la route et qu'il adhère pas à la route. Genre moi j'ai l'impression qu'il il plane un peu, tu vois. Et, ouais. Et on n'a pas vraiment la sensation d'asphalte, de bitume. Comme le Big Arno a l'air en rocher. J'ai la ref. Exactement. Rivenzy, Ultia, s'il vous plaît. Il manque Rivenzy, Ultia dans la room. Excusez-moi. Bah j'arrive. J'ai dit que j'avais un problème avec ma Switch. Mais oh pardon, on n'a pas entendu le dire. On n'avait pas entendu. Moi j'avais aucune excuse pour le coup en vrai. Non, t'avais pas entendu non plus. Il ne reproduit plus jamais ça. T'avais pas entendu. Elle s'allumait pas, mais je sais pas pourquoi, mais c'est bon, ça va bien. Tout va bien. Le mi de riff qui lui ressemble.
comme deux gouttes ouais. de points. Ah, c'est le même, hein. Comment t'as fait pour mettre une photo sur Switch? T'es trop fort, mais c'est ma comme étoile. Mais étoile, il est bizarre. Attends, mais non. Mais dis pas que je sais pas si je vous ai déjà dit, mais en fait, mais Bobby, c'est Drogli. Non, c'est bon, c'est okay. bon. Ok. Bon. Non, c'est bon. Le mec fait les mêmes vannes, quoi. C'est fou. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est toi, Étoile, qui a créé. Moi, je suis là. Étoile, il y a un truc où tu peux. C'est Étoile Rayou. Où tu peux mettre les circuits dans l'ordre et tu choisis juste le premier, non? Il y a pas un truc comme ça que tu peux faire? Non, tu peux pas le faire. Après, on peut se mettre d'accord pour le vote. Ah ouais? Mais juste, on se met d'accord et on vote. Oui. Il y a pas trop l'heure dans ce groupe. Allez, ok. Est-ce que vous voulez un baby, quoi? Je mets les IA. Je me souviens qu'à chaque fois qu'on faisait ça, il y avait Florence qui mettait aléatoire sans faire exprès, mais tranquille, c'est pas grave. Je mets 8 courses. Du coup. 8 courses, ouais, comme on ça on les fait une par une les nouvelles. Vas-y. Ah ouais. Venez, on fait. Mais venez, on joue que les nouvelles maps, non? Bon, oui, genre, bah au début oui, mais on va pas faire que 8 courses. Au début oui, et après on choisit 8 courses ce soir. Choisit ce qu'il veut. Non mec. Vas-y, go Paname là. Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut faire les 8 normales, après les 8 en 200 et après les 8 en miroir. On peut faire ça en vrai. Comme ça, on les prend 200. Oh, non, non, c'est déjà. En 200, en 200 c'est drôle. Faire 200 à Paris, Hidalgo l'a interdit, les amis. C'est vrai. Impossible. Tandis que 150, c'est autorisé, évidemment. Florence? Oui. Florence? Ah, okay. Voilà. Elle va voter Park, elle va voter Park Baby, je vais péter. Non, je suis pas comme ça. Alors, sur laquelle ça va tomber? Paris! Oh, promenade à Paris. Let's go! Enfin, oh là hier, je suis allé sur le stream de Rayou, il y avait la musique en boucle, le chat était en train de péter les plombs. Ah, j'en pouvais plus, mais là je l'ai déjà enlevé, Ultia. Je l'ai déjà enlevé la musique. Oh non, la Zig, c'est un banger. Ah bah, comme oh, devant l'Arc de Triomphe là. Oh là là. Il est bon. Ah, moi, je connais pas les raccourcis, c'est des trucs comme ça. C'est la seule course que j'ai joué. Là, tu peux aller tout droit, Rive. Tout droit, Rive, normalement. Moi, je l'aime beaucoup celle-là. Tout droit, vraiment? Non. Non, mais non, mais je rigole, j'ai dit un riff. Pourquoi? Il faut un champi pour le tour. Ah, il faut un champi pour le milieu de l'Arc de Triomphe. Vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu tirer avec Pulchon, le monstre? Tiens, qui est déjà première toute la game, je le dis. Elle est trop forte au jeu, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Oh la Paname, Paris! La prenez à gauche, c'est plus rapide, mais passez sous la tour Eiffel. Oh. Mais moi, je passe sous la tour Eiffel, 100%. T'aimes pas la tour Eiffel, Ultia? T'aimes pas la France? Elle aime pas la France. Elle est italienne, donc non, elle est pas l'Italie. Non. Oui. Oh, bien joué. Voilà, j'avoue, le raccourci, le fait de comparer avec quelqu'un d'autre, ça a effectivement beaucoup de... Ah mais oui. Pose ton combo. Je suis stylé, hein. J'ai un petit fou, là. Tout est horrible. Je hais Paris, je hais la France. Ah oui, ça change. Après, la map change de sens. Merde, putain, je fais n'importe quoi. Oui, à la fin, au troisième tour. J'ai joué toute l'après-midi, je suis déjà perdu. Mais non, mais c'est quoi, cette merde? Des nappes de quoi, ça? Mais je l'ai fait qu'une fois. C'est Mario Kart Tour. Oh, je l'ai fait 7 fois, je suis du père. C'est grave. Bro. Moi, juste pour l'amour de la France, je passe sous la tour Eiffel. Moi aussi, non, parce que j'adore mon pays. La France. Mon pays est Paris. Pour l'amour de la France, n'est-ce pas? Je vais passer sous la tour Eiffel. Dans Mario Kart 8. Il est de plus en plus. Oh non, je vais un chien de la... Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardon. Et c'est vrai qu'il faut que je mette un peu la musique, parce que vous l'avez peut-être pas entendu hier. C'est qui ce bill? Ah mais c'est musique Rayou, excuse-moi. Non mais parce qu'en fait j'avais changé un peu, vu que j'avais écouté la musique en boucle hier, j'avais enlevé le son du jeu. Parce que j'en pouvais plus de cette musique. Oh sorry, c'est Paname mec. Oui, il y a des gens en contresens. C'était clair s'il vous plaît. J'ai vu sur ton stream, Rayou, tu disais un truc très très vrai, à savoir la map c'est vraiment Emily's in Paris. C'est ah mais c'est le cliché dans toute sa splendeur, c'est la baguette, le croissant. Le croissant, le fromage. La musique aussi, le accordéon, Paris à Montmartre. J'adore la France. J'adore la France en fait. Non, fuck. Je venais de ramasser le cadeau. Je dois faire l'amour en France, bien sûr. L'amour en France. J'ai jamais vu Emily's in Paris. T'as de la chance, t'as pas beaucoup. Ah bah, c'est pas génial. Que Dieu te protège, hein. J'étais première toute la game. Littéralement. Pas ouf. Non, littéralement. T'as pas été très première toute la game en vrai, pour le coup. Tu j'étais rajoutes littéralement un petit peu. Première toute la game. Non, effectivement, très bonne remarque du chat. Emily in Paris, c'est très rive gauche alors que la map est très rive droite. C'est vrai. C'est réel. Ça fait très bonne remarque. Je tiens à dire que j'ai fini dernier pour tous ceux qui étaient en mode il est très yardant. T'as fait derrière les bottes? Non, mais j'ai fait 7ème quoi. Ah, ok. Par contre, vous avez vu, les textures sont moins stylées genre que les autres maps de MK8 de Oui. Genre, c'est plus plat. On dirait vraiment des aplats de couleurs. Ouais. Et j'ai même l'impression, je sais pas si vous pensez pareil, mais j'ai même l'impression que notre personnage
et son véhicule sont de meilleure qualité que la map sur laquelle ils sont. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, ouais. Ils sont... Ah oui, je vois. Okay. Mais Florence, mais t'es sérieuse, Florence ? Bah ouais, mais c'est bon, j'essaie de la prendre, quoi. Mais quoi ? Mais je la déteste, je la déteste. J'essaie d'apprendre, elle a dit. Elle a du lag, elle a du lag, elle a du lag. Vous avez dit 1990, là. J'essaie d'apprendre. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, angle merdique, là ? Vous aimez pas la France, c'est ça, le problème ? J'essaie d'apprendre, elle a dit. Pour l'amour de la France, n'est-ce pas ? Non, mais c'est quoi cette histoire ? Putain, mais ça veut dire que j'avais raté mon départ la première fois. Gestion à faire Dojo Ninja, t'inquiète, on va la faire. Et on skip laquelle, alors ? On skip laquelle ? Dojo Ninja, je pense, du coup. Tant pis. Oh là là. On les fait dans l'ordre, donc rip hein, Dojo Ninja. Ulcia, t'as toujours step up par contre. Ouais, je m'entraîne toutes les semaines. On va voir si les premières équipes à la suite. Genre, ça se voit qu'elle bosse, hein. Ouais, mais la rouge de Rive, elle ne peut jamais l'éviter. Ouais, moi, ouais, il y a des chaud, en vrai, ce soir. Ouais, bah, ça se voit que je bosse. J'étais première toute la game, là, à l'autre tout à l'heure. T'as fait 3ème, ça va. Alors qu'il y a Ryu dans la game, genre, je pense que tu rends compte. Non, Ryu, il est le principal adversaire depuis minuit, c'est la même chose. Enfin, c'est de Mario Kart, toi. Bon, je suis plus sûr. Oh là là, t'as pris une verte Lucia honteuse. Ah, fallait pas en prendre Paris, hein. Regarde, Florence, tout droit, Florence, tout droit, tout droit, avec les champis là. Non, pas tout droit. Mais si, avec les champis, je te jure que si tu peux. C'était pas un troll, il y avait des espèces de pancartes. Mais tu les dégommes avec tes champis. Ils sont tombés au moment où je suis arrivé. Mais crois-moi, c'est. Vous voyez, à force d'induire les gens en erreur, ils vous font plus confiance. Non, mais d'accord. Excuse-nous, Gandhi. Ok, c'est bon. Tony Prognard. L'obélisque ici. Magnifique dans la tribu. Il y a pas d'objet en fait. Ok. Non, le raccourci est bien, mais du coup, t'as pas d'objet. Fou. Oh non, JD qui a dodge ça, non, c'est abusé. J'avais un fantôme en plus, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout détruire, j'ai envie de tout péter là. Oh non, j'ai envie de la cage. Oh, je peux pas passer sur les trottoirs. On peut pas rouler sur les trottoirs, c'est pas vraiment Paris, hein, ça dégoûte. Ok, hein. Pierre et le loup. Ok, Pierre et le loup, c'est exactement ça, ouais. Bah j'ai pas vu les flèches, excusez-moi, je chill le chat, excusez-moi d'être un joueur fun, hein. Oh là là, il le dit trop pour que ce soit pas suspect en vrai. Bah vous savez que là on peut prendre à droite, hein. Je suis d'accord. Non mais non mais non, pas maintenant, pas maintenant. Après tout ce que tu as fait. Ulcia qui a dégommé Rive, j'ai vu. Non, Rive, arrête. Oh. Arrête. Arrête, t'es chiant. Oh, sérieux. Oh, arrête, des bouquins. Quel trou de balle. J'ai pas pris de cadeau. Non. Si vous avez un éclair, pour moi c'est le meilleur moment là. Merci. Il est horrible ce virage. Non, ça chier. Ah, je suis chaud. Ouais, là, c'est je vais progresser un petit peu. Ouais. Si on la reprend un coup, je pense que je peux gagner encore une. Non. Quatrième pour l'amour de la France. Ah, tu joues rose là. Oh le joueur. Oh le joueur rime avec son villageois là. Oh le joueur villageois. Il a 10 points. Il donne absolument tout. Il donne tout ce qu'il a. Florence, tu remets Paris pour train éventuellement. Allez, let's go. Non, tu veux ? Non, s'il te plaît, non. Là, vraiment, on va sur la map AliExpress, dropshipping 2€. On est d'accord. Ah ouais, c'est plutôt c'est un scandale. Ouais, c'est elle est scandaleuse cette map, non ? Elle vient d'où là, cette map ? Est-ce que Étoile t'a parlé de la vidéo que je t'ai envoyée ou pas ? Oh, j'en ai pas parlé. C'est une catastrophe. En fait, dites-vous que JD m'a envoyé une vidéo hier où il y a un fan qui a fait un portage lui-même sur sa Switch modée de Circuit Toad. Et il l'a fait en deux jours. Et c'est la même chose. Ah, ça fait bader. C'est la même chose, tellement c'est une catastrophe. Bah, celle-là, elle est un peu honteuse. Elle est un peu honteuse en vrai. Parce qu'il n'y a pas Elle est trop belle. Bah, regarde, même le public à droite, c'est le public de Mario Tennis. C'est dégueulasse. Ah, vraiment, elle est. C'est le stagiaire de 3ème qui l'a fait. Ils sont plats sur le côté. Ils sont plats au-dessus là. Oui. Il y a pas grand chose. Elle est nulle. Vraiment, il n'y a pas de fin de cette map. Ouais. Jida, il dit ça parce qu'il n'y a pas de cause. Non, en vrai. En vrai, bon. Ce que je disais hier en stream, c'est que je trouve que cette map, elle aurait été. On aurait moins ragé si c'était la première des coupes à la rigueur. Ça fait genre la première map, machin. Un peu naze, machin. Mais en deuxième, ça rajoute encore de la nullité, je trouve. Oh non. Mais t'as vu, ils ont mis Paris avant ça, quoi. C'est en mode ok. Ouais, ça aurait été une logique. Le préambule de la merde. Non, elle a acheté cette map. Mais vous trouvez pas que votre personnage est d'une bien meilleure qualité que genre, le reste oui, le c'est reste, vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il a été posé là par-dessus. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Alors, attends, c'est pas pour la version mobile, d'accord. Ah, c'est pour Mario Kart Deluxe sur Switch. Ah, mais d'accord. Bah, trop tard, c'est lancé. Attends, je suis pas sur 64 là. Non, la map est une catastrophe.
c'est pour la Switch, mais d'accord. Mais putain, je la trouve même pas agréable à rouler. Non, non, elle a rien. En vrai, elle a pas de courbe, elle a rien. Osef. Ouais. C'est là. Osef, ouais. Mais sur les 8, c'est de loin la pire. C'est-à-dire que toutes les autres, y en a pas une seule Osef, je trouve, en vrai. Bon, bah autant qu'on va se prendre facile. Oulala. On aurait. Ouais. Putain, je la regardais tellement dans le rétro que j'ai fini par m'aligner avec elle. Désolé, Rive, hein, vraiment. Je t'inquiète, y'a pas de problème, j'ai mon petit champi doré pour remonter. J'ai des cons. J'ai volé des pièces. Quoi. Moi, je suis 8ème pour l'instant, je me régale en tout cas. Let's go. 8ème. Oh, les 3 au genre de JD. 8ème. Antoine Daniel devient belge. 8ème. Explication. Pour la fiscalité, très certainement. Oh, la bombe est incroyable. Merci, bro, merci, bro, merci beaucoup. C'est incroyable de me faire secondiser comme ça, là, c'est exceptionnel. C'est une catastrophe. Rive, arrête. Ok. Putain. Elle est pas frustrante, cette course, pour moi. Oh, en vrai, je me suis fait ouvrir le fion par ponce, là. Oh là là, c'est trop. Oula. C'est trop. Oula. Mais t'as kiffé. C'était pas désagréable, mais en vrai, c'était pas maintenant, pas là, pas tout de suite. Ok. Après tout ce que tu as fait... Putain, mais c'est fou qu'un mec ait réussi à la faire sur une Switch modée en 2 jours. Moi, je veux bien la vidéo, si vous l'avez quelque part. Ouais, je sais pas où c'est que je peux poster, mais... Dans BlaBlaStreamer. Alors attends, je te retrouve ça, on a beaucoup discuté avec Étoile. Rivenzy, comment vas-tu? J'ai mis une poudre, désolé. Oh non, Riv, t'es un enfer, mec. Non, mais désolé, par contre, si on retombe... Alors peut-être. Oh putain, j'ai eu peur. Ah, Florence encore. C'est en fait, en gros, c'est que l'épique Florence. J'ai rien fait. Monsieur le commissaire, je le veux. Donatien Otazak, Nathalie. T'inquiète, bro. J'ai la rêve tunisienne ultia, t'es la meilleure boom. Monsieur le commissaire. Arrête jamais. Je jure. Je le jure. La montagne. Le chocolat. La montagne choco. Le chocolat. Moi, j'aime bien les lines de celle-là, par exemple, je la trouve cool. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure. Oui, elle est sympa, elle est sympa. Je sais que tout le monde adore Dojo Ninja, mais pour moi, c'est celle-là la meilleure de tout le monde. Ah ouais. Non, mais non, non, ça va pas. Non, mais JD, ça va pas ou quoi? Vraiment, j'ai pas essayé Dojo Ninja encore, apparemment, c'est vraiment un banger. Ça va pas, mais... Et vous savez, les goûts et les couleurs. C'est vrai, voilà. Ça c'est bien dit. C'est vrai ce qu'elle dit, putain, c'est la tellement la vérité, c'est ouf. Je suis tellement d'accord. Je respecte que vous aimiez votre Dojo Ninja. Regardez ça, tellement la vérité, c'était fou quoi. Votre pote Dojo Ninja, bon, surcoté de ouf. Non, non, pas surcoté, non, pas surcoté, bro. Non, elle est pas surcotée, elle est exceptionnelle. Non, non, mais non, elle est très bien. Mais non, on réagit. Mais elle est surcotée. Non, non, elle est pas surcotée. Non, 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 non. Oh, le backspam était exceptionnel. La ligne était snipée. Et vous en pensez quoi de celle dans les nuages? Moi, je l'adore. Mais elle est juste courte. Moi, je l'adore. J'aime bien. Moi, je l'ai pas encore vue. Du coup, l'étoile rouge. Je peux pas répondre. Ah, de fou, j'ai pas un peu. Je sais pas. Ok, on en parle pas. Oh, on en parle évidemment. Je sais pas, bizarre un peu. Putain, JD, c'est toi. Le dernier Batman, quoi, tu vois, je peux vous en parler. Fringe. Si ah, tu l'as vu, Mercure, c'est bon. Ok. Oui, je l'ai vu, ouais. C'est bien. Vas-y, Angle, balance cette rouge. Écoutez, c'est. C'est long. Mais il y a des bonnes idées. Ah, mais des bonnes idées, mais c'est un peu long. C'est pour ça que tu écrives. C'est 2h50. Oui, tout à fait. Rayou, tu t'es pas fait voler de klaxon, j'espère. Le Figaro Magazine pour les critiques. J'ai dodge avec la banane. Ah, bon. Ah, le batteur. Un batteur. Bien joué, mec. Mais pourquoi ma. Je suis pas censé me prendre des trucs là quand j'ai ça. Si, ça protège pas, bah, ça protège dépend, pas. Ça dépend, ouais. Ouais. Oh non, c'est. Oh, ouais, bah vas-y. JD, t'es immonde, bro. Oh, ouais, oh, ouais. Désolé, hein, j'ai profité, j'ai voulu faire. Avec la force de sa voix. Oh là là, exceptionnel ce que je viens de faire là. Oh, messieurs, dames. Oh là là. Oh là là. Oh, toi. Oh toi! Oh toi! Oh, j'ai tout raté. Me casse, me casse! Oh là là, j'aurais pu être premier si j'avais pas été à chier! Pour qu'il vienne dire qu'il est Let's go, let's go! Putain, un petit éclair! La ville, C'est Ponce qui triche! Bon, Ponce qui triche en plus! Triche! Oh, triche ça! Incroyable! Oh le dos, il a triché! Oh, il a triché! Ponchi, t'es le Bill! Abusé! C'est des points la bombe, Bill! Oui, c'est moi, j'ai eu que des items de merde! Quel chien! Rivetti a fait 5ème! Oh, quel gros chien! Putain, mais Ryan, tu me débêtes! Mec, j'ai freiné devant la ligne! C'est pour ça triche, tout à fait. Et toi, j'arrive, je viens de débrancher, mec. Je te débranche! Oh, ouais, je viens de débrancher, mec! Oh là là, c'est mérite le débranchage! Oh, la malveillance! Non, la malveillance de ce que je viens de faire, c'est abusé. Ton esprit a une noirceur, mais. Ah non, mais j'ai mange mort. La noirceur de l'esprit du gonze, là! Ah non, mais ton esprit est d'une noirceur! Jamais vu ça! Mais là, ce que je viens de faire, là, je viens de chier sur le bureau d'une association caritative, là. Ah merde! Une dinguerie! Ah non, mais t'as chié sur mon bureau, c'est dégueulasse, hein! T'as chié sur mon bureau, ça me rend mal. Bon, écoutez. Je monte le son!
Et je remets le son. Je monte le son pour celle-ci, messieurs dames. Supermarché Coop. Moi aussi, je monte le son alors. Le banger. Je sais pas si c'était un build cheat que j'ai fait du coup. Je sais pas. Ah ouais, le son ici. Le banger, messieurs dames. Et bah, moi j'aime bien, mais je suis un peu déçu. Du remake. Ouais, bah elle était mieux avant quoi. Ouais. C'était mieux avant, franchement. Non, Ponce, tu vas pas faire. Ah, mais ça vient de ça la musique, putain! Mais oui! Oh non, man! C'est Supermarché Coco! Ah, mais c'est Nirvana le groupe avec D'accord! Mais oui! Je fais le sac de J'ai jamais joué à Mario Kart! C'est vrai, ça se tient. Bah, ouais, ça se voit dans ton gameplay. Hein. Oh, ok! Wouh! La noirceur de l'âme! Zilane, ça va se fracasser le crâne! Je vais passer à droite! Meilleur Théo, t'es meilleur, je rigole. C'est un peu fort là, j'ai peut-être mis un peu fort. Ah non, moi c'est bon là. C'est... Non. Le son est fait un peu fort. Moi ouais, j'entends juste rien là. Oh la merde. Oh la perte. Attends, je t'entends. Na 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 na, j'y vais. On n'entend rien, ça me donne. Oh la line ici. Wow. Merde. Oh non! C'est un peu fort là! Non, fais pas ça, mec! Hein. Oh, on va sur Hulk! Oh là là! C'est un coup de balle! Oh là là! James, c'est éclair! La musique est si fort dans les oreilles! C'est trop fort! Miam! Encore la musique plus fort! Encore la musique! J'entends rien ce soir! Oh, c'est bien joué de la part du tien! Antoine? Oui, t'as qu'à envoyer des boules de feu à cet endroit-là. Non, arrête de m'envoyer des boules de feu. Putain! Oh, mais... Oh, quoi? Alors, à quoi? J'ai un TikTok. Florence, je touche la bleue sur la nouvelle map. Attends. J'ai un TikTok, je touche la bleue sur la nouvelle map. Est-ce que vous pouvez crier, s'il vous plaît, c'est pour le TikTok. Maintenant, elle arrive. La bleue, 2. Alors, mec. Oh, il a raté. Quel joueur de dingue! J'ai jamais vu ça! Dans ta gueule maintenant! Merci! Ta gueule maintenant, mec! Oh, je t'ai promis toute la game! Oh non! Ça me saoule! Oh, je t'ai promis toute la game! Oh. Non, c'est Ultra, elle fait première toute la game! Ouais, c'est vrai qu'il t'aide! Voilà! Oh, il m'a mis en décor, ce bâtard! Oh, je suis trop bien! C'est si fort, j'en peux plus! Content! Le content. Ça le fait battre par Peach, quoi! C'est moi! Allez! C'est vrai que... Quoi? Oh, figure-toi que j'ai de la coco, bah ouais! Comment ça, tu coco? Bah non, mais c'est toi, Ultia, qui a mis Wilton? Non, c'est pas moi, je vous jure! Pourquoi ça, moi, d'ailleurs? Pour pourquoi Vancy, tu penses à moi, Étoile? Mais parce que t'es fan de Wilton! On a traversé Tokyo! Oui. J'ai pas fait oui, de pas. Oui, fin de la Domo, arigato, je suis japonais! Let's go! Putain, mais Antoine, change ton micro! Ouais, y'a un problème avec mon micro! Oh, tu es japonais! Des millions de dollars chaque mois et puis y'a un micro aussi dégueulasse. Des millions de dollars chaque mois. Mec, c'est tous les trimestres, s'il te plaît! Et donc, ça, c'est la version hackée? Non, mais c'est exactement la même chose, c'est fou, je viens de montrer voir la vidéo de JD. Attends, j'ai pas vu la vidéo moi. Donc, quelqu'un a fait ça en 2 jours là, ça. Oui. Je vous la mets après le chat. Il a fait ça lui-même en 2 jours. Mais c'est un scandale. Oui. Parapapapa. C'est identique. En vrai, le sol est un peu moins beau. Sinon, c'est la même chose. Oh. Non. Le man en solo a fait ça là. Non. Donc, ça, c'est un mec solo qui a hacké sa Switch et qui a fait le portage du circuit. Allô, il y a quelqu'un en 2 jours. Putain, Antoine. C'est chiant. Ça bug un peu. Pourquoi il y a encore la Tour Eiffel? C'est ouf. Let's go. Putain, trop les textures du Mont Fuji là. Il est en forme, il va nous casser les couilles. Quoi? Allez, de quoi? Allô? Ah, on t'entend bien. On t'entend bien. Non. C'est les présidentielles, ça excite un petit peu. Je trouve que sur celle-là, c'est celle-là où, enfin, c'est celle où c'est le plus flagrant, les aplats de couleurs, l'espèce de, je sais pas trop si c'est un cel shading ou j'en sais rien. Waouh, c'est peut-être un cel shade. J'ai joué dans, j'ai travaillé dans le monde du jeu vidéo avant de stream mes effectifs. Mais je trouve bien. Ça me va, je prends. J'ai dit à la rouge également. Oh putain. J'accepte le tag ici. Alors attention, elle change à chaque tour cette map. Voilà, genre là c'est une. Antoine, toi qui connais pas. Ouais, je vois là. Non, je vais juste en compte. Je l'ai tété hier. Des bots, quoi. Ah non, pardon, c'était un peu plus quoi. Oh, non. Des lags, il y a des moments, je suis la seule ou pas? Des lags, non, moi non. Ouais. Des lags de quoi? Des lags sur le jeu. Des frames manquantes, genre.
Bah ouais, je sais pas. Ah ouais? Je suis dans les... Okay. Non, moi je... j'ai pas. C'est vrai que non, moi, je trouve que ça suffit sans problème technique du côté d'angle droit, ce n'est pas vraiment... Oh, il est pénible, là! On adore, hein. Même que moi, mes joueurs, la dernière fois, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus trop de problèmes techniques comme avant. Et ça leur faisait un peu peur, d'ailleurs. Ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Non, j'ai une connexion instable. Si tu mets cette bombe, Antoine... Oui. Ah, ok, ça me va. Ça me va. Oh non! Oh non! Oh, le mec est un connard. Non, je voulais pas te toucher, je voulais m'en débarrasser, bro. Bien sûr, mais t'aurais pu t'en débarrasser en arrière, tu as décidé de le faire en arrière. Mais Benzi, bien sûr, tu étais au courant que j'étais devant. C'est vrai. Et cette banane! Oh non, mais là, t'as fait un effort aussi. Là, on est sur le périph' pour le troisième tour, c'est génial. C'est exactement ça, en vrai. Tu prends le glider comment, là, Rayou? Je fais un low glider, genre en gros, je garde mon dérapage, je fais pas le figure. Et faut que tu fasses ça, genre, tu sais, tu gardes ton dérapage, je fais pas la figure. Et du coup, ça va te faire aller plus bas et tu vas plus vite. Orange, c'est mieux, mais si t'as bleu, c'est bon. Ok. Je suis nul, hein. Putain, maintenant, Ultiel connaît toutes les strats, c'est un low glide. Ouais, me régale, Ultiel, je suis trop bien. ça joue, quoi. Oh là là, moi, je suis à chier, hein. Non. La corniche champignon. Corniche, moi, c'est ma vraie bonne surprise. Je m'attendais à une dobe sans nom, genre autoroute Todd un peu pété. Et en fait, elle est vachement bien. Les lines sont trop stylées. Celle-ci ? Ouais. Celle qu'on va faire, là ? Ouais, c'est pas une vanne, hein. Genre, moi, je m'attendais à une autoroute Todd, tu vois, des voitures, un 8, et c'est chiant. En fait, pas du tout. Elle est plutôt cool à rouler, je trouve. Que ça avait des bonnes lines, quoi. Oh, c'est vachement kiffant de souligner tout ça. Ouais. Mais du coup, sur les bonnes lines, tu fais le low glide, toi, ou tu... Je suis juste en full drift. Soft drift, quoi, sur le low glide. Ouais, tu low glide pas, quoi, tu restes sur le soft drift, ok. Ouais, je prends champignon on the rocks, ouais. The rocks. Par contre, vous avez un bon cut. C'est champignon on the rocks. Le dernier virage. Il y a deux bons cuts. Il y en a un. Oui, il y en a deux. Étoile, il t'a rien fait ton clavier, étoile, ok et tous les jours, il est là pour toi, mec. C'est quoi, il est en train d'insulter quelqu'un, là vite fait. Il est juste en train de grinder, quoi. Du mois dernier, merde. Just hustling, bro. Excusez-moi, les bros. Je bague, hein. Une facture impayée. Le dérapage. Une facture, là. Une petite facture cabale. Putain, ça me fait du bien de jouer avec vous, bande de petits soleils. Ouais, ça fait plaisir. Putain, merde. Ça fait des petits soleils, quoi. Petits soleils. On dirait un coach de vie. Ouais. Vous êtes des soleils, en fait. Soyez des soleils. Moi qui vache un speaker. Aïe. Oh, Rayou, tu me pousses, bro. Bah, j'ai un gros cul, mec, hein. C'est que c'est plus à prouver, hein. Le petit boule. Non, t'as pas un gros cul, t'as un bon cul. Merde, ça va. Rien à voir. S'il vous plaît. Voici. Oh, la ça va, ils se sont pas emmerdés, ils ont repris des voitures qui sont sur l'autoroute Todd. C'est la bah en même temps, ils ont pris les mêmes. Ça va, les sprites. C'est honteux. Bah après, c'est juste à côté en même temps, c'est la route d'après donc. Ouais, bah oui. Un mec, c'est un open world. Lore. Ah oui. D'ailleurs, bizarre dans ce lore, les routes qui font juste des ronds en fait, tu peux pas sortir. C'est un peu oppressant. C'est bizarre! Ouais, je voulais me protéger de la rouge pour le coup, c'est toi qui me l'as lancé. Ah, mais il y a beaucoup de fois où tu veux te protéger, ouais, tout à fait. C'est très innocent! Je peux pas me protéger. C'est létal. Vous avez vu, vous avez un cut avant le dernier virage où il y a de l'air? Non, de... j'ai pas vu. Ah, ouais? Et si vous avez. Ouais, si vous avez un champi, vous pouvez passer par là. Ah, oui. Ah, ouais! Non, je crois que je t'ai pas vu. Oh là là, Ultia qui m'aime. Si tu le mets derrière, c'est un scandale. Ok, oh, c'est horrible. Oh non, mais non, mais arrête. On s'est fait karma. Oh non. Oh, c'est pénible ces histoires. Oh là là. Va dans le bus, c'est un bus. Oh là là, pénible. Le mot pénible, tu prends 50 ans à chaque fois que tu le dis. Je vais pas me voir énervé, je vous assure. Oh là là. Je vais pas me voir énervé. Je suis énervé quand MK est sorti en même temps, mais tranquille. Ah, c'est trop putain MK, quoi. Putain, mais quand t'as posé la question, j'ai vraiment cru que c'était une vanne. C'était réel. Non, non, il parce qu'Antoine il disait, ouais, je me sens vieux et tout, et je me suis dit, attends, pense la rouge, je fais gaffe. À étoile. Attention. J'ai fait gaffe au max, mais ça. Moi, je suis un jeune homme, hein. 3, 2, 1. Oh non, putain, il a remis, j'en peux plus de toi. C'est trop, gros, c'est deux fois, je suis derrière, je me protège. Non, Antoine. Je la voyais venir en plus, putain, déjà deux fois, ça fait même pas une heure qu'on est ensemble, il m'a déjà deux. C'est horrible. Elles sont horribles, les maps, elles sont horribles. J'en ai pas ouf en vrai. Mais on fait chier. Elle est marrante, la corniche champignon. Ouais, moi j'aime bien, ouais. Mais tu m'en veux ou quoi, bro? C'est ça, je te fais de l'ombre pour la Zilane? C'est quoi le. Dojo Ninja? Mais non, on va terminer par Jardin Volant. Merde, je suis Dojo Ninja. Ah, oh non, on a fait deux fois Paris pour une raison que j'ignore. Je suis trompé. Mais qu'est-ce que vous faites? Bizarre. Oh non! Oh non! Je suis désolé, je suis désolé.
On est maudits, c'est pas possible. J'ai pas fait exprès. Vous savez qu'en fait, j'ai tremblé sur ma manette et du coup, j'ai appuyé sur. Il a tremblé sur sa manette. Bah ouais, j'ai tremblé parce que je suis un peu timide de jouer avec vous. Non, t'inquiète. Toi, t'es timide. T'es timide ? Pourquoi t'es timide, frérot ? Bah, parce que voilà, vous êtes impressionnant, vous êtes beau, vous êtes mignon. Mais nous, on a jamais gagné Zidane. Rien de tout, rien de tout. On n'a jamais gagné une seule Zidane, mec. Aucune. Ouais, ça, mais ça bon, gagne des Zidane, mais ça c'est pas si jamais un circuit, quoi. C'est vraiment le niveau intellectuel est incroyable. Après, ouais. Après, ouais, bah c'est vrai que c'est. Après, bon, là, vous parlez de mon passé, quoi. Je suis maintenant retraité, mais. Mais t'es retraité de quoi ? Il va dégommer tout le monde en face de poule, il va être immonde, ça va être insupportable. C'est jubilé, on peut le dire. Je vais être un connard. Non, bah, pas un connard, tu fous ta gueule. Le stade Bollaert, le jubilé d'étoiles, bien sûr. La dernière compétition e-sport. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Mais écoute, en fait, c'est la vie. Tout le monde est venu, salut, bien sûr. Attention, j'ai la rouge. Attention, Florence, la rouge. La verte. Oh, ça aurait pu être stylé. J'ai raté. L'instant, vraiment, moi je kiffe les courses là. Il est trop skiffing, je suis en just skiffing là sur mon chat. Just qui se plaint. Just skiffing. Just skiffing actuellement. Ça sert à rien. Wouh! Ça va, Florence? Florence, elle est pas. Non, mais je suis au bout là. Je t'ai eu, tiens. Hein? Je t'ai eu avec la bombe? Non. Oh, le snipe sur Ayu, la banane. Oh, c'est un snipe, c'est un snipe. Oh, elle était belle. Voilà, merci beaucoup. Elle était trop belle, par contre, mec, ça m'a fait bidé. Merci, bro. Bien sûr, Florent, je ne voulais pas te viser depuis le début. On se arrive. Une pas besoin, 4. T'as pas besoin, regarde. Attention, Rive. Il me met deux rouges dans le fiat, quand même, c'est fou, hein. Non. J'adore quand il crie comme ça. Vas-y, man, ça va, j'adore. J'adore quand il crie. J'adore quand il crie. Quel connard. Je pars en héros. Crie encore, Antoine, je t'en conjure. J'aime quand tu cries comme ça. Oh non, putain. Oh, j'ai la vie de rêve que t'as. Legit, mais. Moi, je le connais, il a une vie de merde. Antoine, quoi. Putain, je suis derrière Antoine, la honte. La honte. Oh non, il y a deux bottes devant toi. Eh oui, bah oui, bah oui, bah oui. Oui. Il devient où ? Pour l'instant, je passe une soirée exécrable. Oh, c'est non, abominable. J'en rajoute. Ça va. Ah, j'ai même pas les 100 points. Putain. T'as raison, j'en rajoute. En vrai, ça va. Oh, il y a un channel qui s'appelle Modera Fleur. Hein ? Mm-hmm. Je vais déco, je pense. Non, mais dans le Discord de déco, pouce. En fait. Ouais, c'est vrai que le jeu de mots est bien trouvé. Ouais, vraiment. Allez, je déco là. Mais dommage, dis-moi. Oh, vous êtes pas sympa. Bah, vous êtes très mignons, les modos de Pompon, d'avoir créé ce channel, ok. Et vous êtes pas pour créer un Modera. Mais arrête de mettre ta négativité sur les autres juste parce que t'as le seum, d'accord. Oh, j'ai mis c'est pas le jeu. Allez. De toute façon, la Bretagne, c'est même pas une top 6 région. Ouais, ok. Une top 6 région. Mais moi, je suis pas breton, quoi. Bah, oui, c'est vrai. Breton, mec. Ben je sais pas, mais ça devrait t'atteindre quand même. Ça t'a un peu perdu pour moi, je crois, mais pour coup, ok. Dojo Ninja, je vous en supplie. Ah, c'est voté. Ok, mec. Mais non, on fait dans l'ordre. Mais non, on fait le ciel, on n'a pas fait le ciel. Ah, on n'a pas fait le ciel, effectivement. Mais oui, en fait, concentrez-vous. Moi, je suis depuis tout à l'heure. Concentrez-vous. On a une feuille de route. Ah oui, il y a un planning de la soirée. Enfin, je sais pas, mais bon. Voilà, merci Antoine. Parce que en fait, en gros, on a, il me semble qu'on a, on doit jouer une nouvelle map. Ensuite, on a un quiz. Ensuite, on refait 8 courses. Ensuite, il y a moi qui reprend un sketch de. Quoi, il y a un quiz. Rivenzi, tu mets la table. Oh, une petite question, étoile. Une petite question. Oui. Je t'en trouve une. Quel est le chef-lieu de la Gironde? Bordeaux. Bordeaux. Je l'ai dit en premier. Non. Je l'ai dit en premier. Quoi? Oh non. Ah non, vous êtes témoin. Oh non. Quoi? C'est moi qui l'ai dit en premier. Je l'ai dit en premier. Oh non, je l'ai dit en premier. Je l'ai dit en premier. Oh non, c'est moi qui l'ai dit en premier. Oh non, c'est moi. Il y a un petit lag, donc c'est possible. Ouais, vous avez 25 secondes environ, donc vous avez la sensation d'avoir un lag. Elle est jolie cette course. Je déconne. Elle est moche. Elle est pas très belle en vrai. Non, ouais, ça va. Vraiment, la voix céleste en chum. Elle est pas belle du tout en fait. La voix céleste en chum. C'est, oui, c'est une voix céleste en chum, mais les lines sont stylées. Moi, je trouve. Mais attends, mais comment ils peuvent sortir des nouvelles maps avec des graphismes encore moins bien que ceux de 2013, je comprends pas. Tu sais, en ce moment, ça marche pas trop, Nintendo, c'est dur, hein, la Switch et tout, c'est un peu un échec. Hein. C'est difficile. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Faut comprendre aussi, hein, attends. En même temps, la Switch, c'est des claques graphiques. Entre ça, entre Pokémon Arceus, ça... La claque. Pour pouvoir Legacy aller sortir sur Switch, t'es en mode, la claque que ça va être. Attends, Florent, fais le jeu.
Non mais on m'a dit que c'était sorti sur Switch, Hogwarts Legacy. Non mais ça c'est une rumeur. Merde, il y a un trou là. Merde. Oh, je pensais qu'il y avait un cut. Sur le site, ça me rappelle des bonnes soirées. Ouais ouais, ça va sortir sur Switch, ouais. Hogwarts Legacy. Après tu sais, c'est le genre de truc. Mais bon, après ça va être comme Phoenix Rising quoi, tu vois, genre très joli sur PC, PlayStation et puis pas beau. Ouais, mais même c'est toujours cool pour les gens qui ont pas de console et que la Switch, enfin, c'est toujours ça, tu vois. Oui, clairement, toi qui as. Ça fait un peu peur quand même de. Ça fait un peu peur, mais oui, évidemment, Vivendi qui a une Xbox, une PlayStation, un PC, une Switch, tu vas pas la prendre sur Switch, mais quelqu'un qui a qu'une Switch, bon. Bah oui. Oh les connards! Parce que moi je suis extrêmement riche, donc je vois pas ce genre de soucis, mais. Non, par contre, oui, bien sûr, Vivendi, attends. Vivendi, en France, il y a Bernard Arnault et toi, hein. Exact. Bernard Arnault. Moi le prolétariat, bien sûr. Moi j'écris pour le Figaro, moi monsieur. J'ai pas changé de setup, le con, oh le con. Les nuages ressemblent à de la meringue grattée, c'est vrai. Immonde. La carte est immonde. Elle est immonde, mais. En tout cas, j'aimerais quand même tirer mon chapeau à deux personnes de stagiaire graphisme. C'est incroyable. Excuse-moi, Florent, je t'ai coupé la parole. Disait, eh ben, elle veut même plus tard. Donc les lignes étaient jolies et c'était chouette, mais visuellement c'est pas dingue, je trouve. Oui, c'est ça, je suis assez d'accord. Donc voici le fameux banger. Banger. Ah, c'est un banger. Non, mais dis pas ça, mec, la map est incroyable. Ouais. Quoi ? Tu l'aimes pas ? Non, si, ça va, mais je trouve la hype est disproportionnée. Mais je l'aime beaucoup. Mais tu l'as joué plusieurs fois ou pas ? Ou genre une fois ? Ouais. Non, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai jamais joué, je vais la découvrir. C'est un banger absolu, hein. Ah, je suis en moto inter. Oh non. Elle est très belle visuellement, mais sur le tracé, c'est pas ma préf. Le côté, il y a 12 000 chemins et tout, je sais pas. C'est la vraie. Il y a un bon chemin ? Y a, en fait, oui. Non, ça dépend des moments. En vrai, c'est très dur. Ouais, on va vous suivre alors. Ah putain, mais moi je connais. Elle est vraiment pas facile à run. Hein. En vrai, elle est pas facile à run. Et moi, je la découvre complètement là. J'ai une moto Inward. Arigato, by the way. Regarde Rayu, ma moto Inward. C'est loose. Oh non, attends, t'es en Inward sur Dojo Ninja. J'ai pas fait exprès. Attends, je te rejoins après. Je prends la Yoshimoto. Après. Non, mais après, moi je l'enlève, donc me rejoins pas, bro. Ah oui. Oui. Ah, mais mec. Pour le coup, elle, elle est jolie, quoi. Ah, elle est belle. Non, mais la musique. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Les virages. Oh là là. D'accord. Les virages sont abrupts. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais où là? Et qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est bon, j'ai eu la correspondance. Elle est où là? Alors là, ça bouge dans tous les sens. Il y a aucune bonne. Il y a un moment, si tu rates la correspondance, c'est foutu. Mais non, tu peux. Mais il y a des ninjas ici. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Oh, c'est joli ça. Ouah, mais c'est compliqué, hein. Alors que la map est banger. Je fais pas le niveau mental, hein, je pense. Ouh là là. On est sur les toits et tout. C'est la merde. Oh l'erreur. Littéralement dans le vide. Oula, d'accord, oula, oui, c'est compliqué. Oula, il y a beaucoup de trucs qui se passent sur cette carte. Je me suis gâché le plaisir, quoi. Je me suis gâché le plaisir. Oula, mais il y a un cut de ouf à faire, mais pour le reste. Je me suis gâché le plaisir. Oula là. Ah, je comprends rien à ce qui se passe, les amis. Je suis très confus. J'ai une champi pour le cut. Et du coup, Étoile, le cut, il peut se prendre sans champi ou pas? Je l'ai pas essayé en shroomless, je vais l'essayer après. Attends, c'est à gauche, tu l'as raté. Mais quoi, il fait tes petits tours? Je l'ai raté aussi. Oh, il y a Yoshek de la bouffe. Quoi? Genre. C'est un open world, la map, ouais. C'est un open world. Y'a pas de sens, on fait ce qu'on veut. On se croise jamais, c'est nul. Ah, du coup, lancer un item, c'est compliqué, quoi. Ouais, bon, celle-là, je l'ai peut-être un peu. Oui, bon, après, lancer un item, est-ce que c'est nécessaire quand on peut juste tomber, en fait? En vrai, t'as de la chance que je sois en Inward, mon pote. Oh, le joueur fun, là. Là, le joueur fun, il est là. Oh, le joueur fun. Fun! Le joueur est fun! On l'a refait après à la place de l'autre pété là, je sais plus comment elle s'appelle. Promenade Todd? C'est bon les gars, c'est bon. Todd, je sais plus. Oui, ça, circuit Todd, je crois. Oh non. Oh non, c'est tellement gâché, le plaisir est tellement gâché. Est-ce que ces maps étaient déjà sorties sur mobile ou pas? Oui, ça c'est une map mobile, ouais. Mais elle est présentée comme exclue dans le jeu, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est. C'est une erreur, je crois. C'était juste un mensonge. Oui, mais. C'est peut-être qu'en fait ils veulent associer la mention Tour à des vraies villes, entre guillemets, et que du coup ils veulent peut-être. Oh non, putain! Oh là! Oh, le dodge incroyable! Oh non, quoi? Oh, j'ai envie C'est quand même assez honteux, hein, le truc. Ça a l'air intense du coup, les gameplays, en tout cas. Let's go! J'ai rattrapé le truc. Gameplay humiliation du côté de Ryu, c'est vrai. Le gameplay humiliation?
J'ai beaucoup aimé la map et du coup je l'ai roulé quoi. Elle est trop bien. Moi j'adore cette map aussi, vraiment. C'était top. Oh Florence, putain c'est énorme, j'ai encore un tweet. Ah ouais Florence, oh là Florence, t'es sûr. Du coup comment on fait maintenant, on choisit ce qu'on veut mais parmi les nouvelles maps. La map est particulière. Ouais on peut faire ça, on peut faire ça. Très bien, et bah c'est choisi. On a quelqu'un avec nous, je sais pas qui c'est. On refait quoi? Quelqu'un qui a join. Oui. On refait quelle map? Celle que tu veux, celle que tu veux mais une nouvelle. Vas-y. Fais ce que tu veux, mais une nouvelle. Moi j'ai pris Todd de c'est merde. Qui cette personne? Attends, mais y'a quelqu'un qui a join. C'est quelqu'un de votre liste d'amis du coup? Faut juste voir. Bien sûrement, ouais. Moi je connais pas. Ah, attends, je suis pas passé en privé. Je peux peut-être regarder si j'ai pas mis par. Moi aussi, il faudra que je m'enlève peut-être. Moi. Oh non, on a la pire map, sérieux. Sur toutes les maps, on fait la pire. Any poster is among us. Moi je l'ai pas, Hugo. Je l'ai pas, moi. Je connais pas. Hugo. Ça me dit rien non plus. Je connais pas Hugo. Hugo. Ça me dit rien. On verra après. Je verrai après. Ouais, non, c'est pas moi. C'est Kalik. Ah, si quelqu'un touche le jeu. Ah, ouais, ah, c'est pas marrant. T'imagines, il est live. Hein. Bah, écoute, hein. Ah, si, c'est moi, Hugo, pardon. Vous êtes moi. Non, mais c'est peut-être moi, Hugo. Non, c'est moi. Arrête. Non, c'est moi. Ouais, ouais. Non, c'est moi, ouais. Attends, moi, est-ce qui a choisi ça premier degré là? C'est Antoine. C'est Antoine. C'est Antoine, je fais de la délation pure et. Oh, Florence, c'était. Ouais. Je crois que c'est Ponce, hein. Non, c'est Antoine. C'est Antoine. Ah merde, du coup j'allais avoir des choses. Attendez, je vais freiner pour mettre tous mes objets Kai Hugo. Quel bâtard. Attendez. Attends, il est où? C'est lequel? Ah, c'est lui. C'est Hugo qui a pris la map. Attends. Oulala! Voilà. Pas cool, je pense. Attends, je vais freiner. Oh putain, ma vie est un enfer. Oh, mais putain, j'ai que des choses. Putain, Ponce, mais tu fais ça pour me bully? Non, je t'ai pas touché là, c'est pas moi. C'est pas moi, Antoine. Quelle map de merde! C'est un banger. C'est ça qu'elle est vraiment naze. Hein. Elle est naze. Oh non. Genre, elle est toute plate volant, et tout, genre vraiment elle a pas de relief. Oui. C'est une planche à pain. Elle a dit que t'étais plat. J'avoue là. J'avoue là, trop bien. Trop bien. Allez hop, non, arrêtez! Oh ta gueule, Antoine, dans ta gueule. Ouais, je rigole, Rivenzi. Oui, c'est très marrant. Allez, le jeu. Oh, banger. Allez, let's go. Allez, hop. Putain! Oh non, mais qui fait ça? Mais stop! Oh là là, je prends des dingueries. Oh là là. Horrible. Ultia! Ultia! Oh non, je fais croquette par Hugo! C'est peut-être Hugo, hein. Ouais, quoi, c'est dur, hein. Et là, ulti, putain, j'ai kiffé de fou, là. Antoine, il est au bout du... Je vais enlever le fait de me faire rejoindre, du coup. Moi aussi. Hugo, si tu pouvais te casser, s'il te plaît, on te connaît pas. Hugo, pitié. Hugo, pitié. Salut. Parce que sinon, on va devoir refaire la room, pitié, s'il vous plaît. Paramètres des fonctions communautaires. S'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît. Vous pouvez vous mettre en... S'il te plaît, bro. Pitié, Hugo, pitié, parce que... Pitié, Hugo, ramasse-moi, s'il te plaît, à la cantine, en mode... Pitié, Hugo, pitié. Mettez juste visible aux utilisateurs favoris. Pitié, Hugo, pitié. On va aller demander à Annie. Pitié, parce que sinon, on va devoir refaire la room, pitié. Hugo, s'il te plaît. Hugo, notification de quoi? Non, je vois pas où c'est. Dans les paramètres, c'est pas ça. Profil tout en bas et après encore en bas. Prochain tour, tu feras le prochain tour, ça va commencer. Il s'en bat les couilles. Oh non. Je vois pas en vrai. Pour qu'on passe un pari baby à la fin. Paramètres de fonction communautaire. Au pire, on fait la room. Si on quitte, on peut. J'ai écouté. Hop là. Non, mais à qui montrer votre statut de connexion, c'est différent de qui est-ce qui peut me rejoindre. Non, parce que si t'es hors ligne, on peut pas te rejoindre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Paramètres d'utilisateur, okay. Et en bas, paramètres des fonctions communautaires. Ouais, ça, hein. Et effectivement, du coup, à qui montrer votre statut de connexion, okay, sur l'utilisateur favori. Je pensais que c'était différent et que je m'étais trompé. Hugo, dans le... what the fuck, Hugo. Alors, liste d'amis. What the fuck, Hugo, what the fuck, bro. Qu'est-ce que tu fais, bro? What the fuck, bro. J'ai recréé la room. Vas-y. Ok, let's go, les gars. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave, en vrai ça se trouve, il existe même un monde où ça se trouve, il sait même pas qu'il y a un live. Mais oui, c'est dur, il y a des gens qui jouent. Oui, c'est ça. Il m'a juste créé une crise d'angoisse. J'avais énormément de points et que j'étais deuxième ou troisième de la. On note, voilà. Évidemment ça. On n'oubliera pas, ne t'inquiète pas. C'est dans les mémoires de tout le monde ici. On n'oubliera pas, ne t'inquiète pas.
j'étais vraiment en crise d'angoisse quand il y avait Hugo, je suis désolé. Ça changeait rien de le laisser littéralement y voter map aléatoire alors qu'on veut faire exprès de jouer les maps de DLC. Soyez pas de mauvaise foi, s'il vous plaît. Allez. Genre, vous êtes de mauvaise foi, là. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de bonne foi, messieurs dames. Moi, je trouve que vous êtes de bonne foi, voilà. Du coup, tu fais quoi? On fait les maps miroirs, les maps de 100 CC? Tu voulais faire un... Non. Non, moi j'ai envie de m'amuser. Non, on a envie de s'amuser. J'ai envie de m'amuser, donc j'ai pas envie de faire du 100 CC. Oui. Ça se tient, alors partons sur du 150. Très bien, tout le monde note que je suis... T'as mis combien de courses, Rayou? J'en ai mis 8. Ah, tu fais des vagues de 8, ouais. Ouais, je fais des vagues de 8. Tu sais, je reprenais le petit Todd, là. Pitié, au secours. Allez. Moi j'ai beaucoup aimé. On peut faire toutes les maps, non? On n'est pas obligé de faire que les nouvelles en boucle. Oui, choisissez ce que vous voulez, au pire, hein, franchement. On choisit ce qu'on veut, Non, parce que faudrait pas qu'on se dégoûte non plus, ouais. Je vais aimer Supermarché Coco, elle est pas trop mal en vrai. Hein. Ouais, Supermarché Coco, j'ai pris aussi, tranquille. Ah tiens, bah non, on va reprendre un banger classé. C'est qui qui a ça? Je vois pas à chaque fois. C'est JD. C'est JD, je pense. T'arrives, Enzy. Ouais, c'est JD. C'est pas moi. Moi, j'ai pas Renzi, c'est bon. Renzi qui fait mumuse avec sa... Il fait mumuse avec sa Go XLR, il a quel âge? Non, mais il a quel âge? Insupportable, c'est insupportable. C'est pas moi. Moi, j'ai ça dans ma sunboard. L'hymne américain. L'Amérique, mec. Donc, me faites pas chier. Je dis ça parce que le maître des fleurs, la plus proche de l'Amérique. Le battle royal de la culture générale. La Brest Business School, mec. Bah ouais, l'école la plus proche de l'Amérique. C'est son vrai slogan, hein, donc. Oui, on l'avait dit. Ouais. Pourquoi t'es hostile comme ça, Antoine? Parce que tu m'as mis une rouge. Non, c'était pas mal, ça. C'est la trash que t'as pris, là. Tu crois, je sais pas. Avec ton vieux combo, là. Non, mais je te jure, t'avais un vieux combo, tu m'as tracé. Et le après, combo... tu joues en bateau et ça va vite, le bateau. Mais le combo est pas immonde, hein, par contre. Premier degré, À moins vite qu'un avion. Moi j'aime trop jouer le villageois. Ça me donne envie de jouer à Animal Crossing. Ça rend heureux, villageois. Le villager. Village. T'es revenu sur Animal Crossing pour le DLC? Oui, le truc où le décorateur ou celui d'après? Ouais, le décorateur. Ouais, le décorateur j'ai fait, ouais. J'ai décoré un peu. Ah, you le décorateur? Bah, ouais, mon chat était un peu surpris de mes capacités d'artiste. Il se disait, mais est-ce que c'est Picasso ou est-ce que c'est Ryu? Non, en plus t'es chaud, toi. Ouais. Ah, mec, j'étais technique, quoi. Bon, je préfère que ce soit Radio Picasso, hein. Bah ouais, oui, on va pas se mentir, ouais. Faut savoir séparer l'homme de l'artiste. C'est vrai que je suis pas une merde humaine, donc je pense... Il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Sommes-nous prêts pour ce débat? Sommes-nous prêts? Eh bah écoutez, allons-y. Antoine? Oui, quoi? Bah vas-y, Rivanzi, annule tout ça, bro. Vas-y, j'arrive. Qui aime les films de Roman Polanski? Ah, l'ambiance est ouf, hein. Oh là là, Ryan, what the fuck? Il faut savoir! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut savoir! Eh, on peut visiter les galeries de ce magnifique magasin. Je l'ai fait, et c'est très décevant. Oui, bon, ça met juste 15 ans, quoi. J'arrive pas à prendre ce virage, j'aurais pas. Oh, let's go, c'est Rivenzi qui est deuxième? Oh, vous savez ce que ça veut dire? Non, oh, je vais péter un peu. Sauf que là, il y avait un éclair, donc j'ai du mal. Non, j'y arrive pas du tout. Le voleur. Non, ah, tu voulais ça? C'est bon, ouais. Ce champi était... Oh oui. Qui est à la cause commune? Je m'en suis servi, bro. Notre champi. Bon, ça se met trop pas. C'est non, c'est que c'est notre champi. C'est parce que c'est notre... Oh non, non. Putain. J'ai des... Non. Ok. En cinquième, j'étais tellement bien. Injuste. C'était pour bien ça. Voilà, donc écoutez, tout ça à cause de Yogi, je sais plus. Hugo. De qui on a dû refaire la roue. Hugo en fait. Comme la Yougoslavie. Tout ça à cause de yaourt. Parce que j'ai perdu. Le Yago. Vas-y, j'ai envie de retourner à Paname là. Putain, tout ça à cause de Activia 0%. Yogourt là. Oh les Moi j'aime pas les gens qui disent yogourt. Mais c'est bizarre les gens qui disent yogourt. Mais en France, on dit pas yogourt, si. Petit déjeuner qui m'énerve. Il y en a. Je crois que mon arrière-grand-mère, elle disait yogourt. Petit sondage, le chat, vous dites yaourt ou yogourt? Ferme-la. Yes. Ah, mais attends, il y a vraiment des gens qui disent yogourt premier degré en France? Vous savez qu'il y a des gens qui disent coquille pour parler des carapaces. Hein. Ça, c'est très grave. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oh, une coquille. Des tortues. DFG, il dit des tortues. Ça me. Mais non. Non, DFG, bien, tu n'envoies pas des tortues vivantes sur. N'envoies pas des tortues vivantes sur les gens comme ça. La gueule des gens. Même morte en fait, c'est pas ouf. Ah Ponce, t'es là pour venir me chercher sur mon rinté?
Ah ouais, yes. Tu vas voir. Ah bah t'inquiète, là, je suis dernier, t'es bien, bro. Ah, il y a un moment qui arrive dans mon chat et qui me dit bah là on n'est pas en train de prague, Riv. Ah ouais, la pression du moment là. Oh le Louli. Ah ouais, ça met un peu la presse du côté du mate quoi. Il a mis la pression un peu au moment, bien sûr. Manu la merde. La merde. La merde. Ok, sympa. Si vous allez au fond de vos toilettes, vous pouvez peut-être voir son crâne. Oh. Waouh, ok, bro. Montréal. Sympa. Je vais devoir vous laisser parce que je vais devoir aller m'entraîner un moment là, il me demande de venir. Ok, ciao. Ah merde. Ok, ciao mec. Ok, bah je pensais que vous faites un truc si je partais quand même. Oh mec, ça bah ça nous fait de la joie notamment. Bisous mec, là je bouge, là je vais avec le bisous. Vas-y, ouais, bisous, bisous. Ouais, vas-y, tu peux quitter le Discord. Attendez, je pars, je pars. Pas pour bouger maintenant, y'a pas de soucis. Tu veux que je te move de chan? Tu veux que je te move de chan, bro? J'ai le bouton sur le. Ok, je te move de chan. Allez, salut mec, bisous. Allez, on appuie. Ciao, ciao, ciao. Si un modo qui est capable de le virer, c'est l'eau. Merci. T'as des crampes aux doigts ou quoi? Pourquoi t'appuies pas là? Attendez, j'ai un problème. Non, mais je vais partir à la fin de la course, je pense en vrai, quand même, histoire de. Ok, tu peux partir. Tarde pas trop, non plus, tarde pas trop. Bon, il sait qu'on rigole. C'est vrai que je prague beaucoup, mais c'est vrai que j'ai besoin de ce petit moment de détente un peu aussi. Mais je me fais bouillir. Ouais, ouais, ouais. Non, mais déjà que tu nous emmerdes avec ton Weshden avec ta GoXLR là. Oula, oula. Franchement, là. L'ambiance met bien, ouais. Ok. Non, mais en vrai, tu peux rester pour la prochaine au moins, Riff. En vrai. Que je t'ai fait cette map. T'es sûr, Prince? Ouais, la next. Oui, mec. Vas-y, mec. Mets-moi tout. Il est pressé, hein, en vrai. Il est pressé. Oh, une petite game, tu sais. Je suis tombé dans le vide. Oh non. Toi tu fais des références à Nord Désir comme ça avec un homme pressé, donc super chaud. Un homme pressé. Faut savoir séparer l'homme. Séparer l'homme de l'artiste. Séparer l'homme. Oh non. Oh, j'avais pas vu ce passage. Oh c'est quoi? Oh le donjon kung fu là. Non pas le donjon. C'est insane. Non ponce. Quoi? C'est pas moi. C'est pas moi. Ponce. Elle va me dégommer aussi, t'inquiète. Ok je l'attente. Putain. Ok je l'attente. Dom Zin. Ponce, t'as pas de coquilles, t'es un idiot. Oh, il y a des coquilles. Des coquilles, oh là là. T'as esquivé comment, Rayou? Une joueur. T'as esquivé comment, Rayou? En gros, tu sais, je suis tombé dans le vide au milieu, et du coup, le Lakitu m'a remis devant la ligne d'arrivée, et j'ai. Oh non! J'ai cut, et du coup, j'ai cut en esquivant la bleue. Oh, mais t'es trop chaud. Un nouveau TikTok qui est parti là. Oh, mais c'est un TikTok, ça. C'est TikTok. Mais non, TikTok, mais non, c'est pas TikTok de Rayou qui se remplit là. Pouah. Ah mec, le TikTok là, c'est le buzz. Allez, moi je bouge. Non, encore une game, Riv. Encore une game, Riv. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne soirée. À la plus. Petite game. Petite avec ta GoXLR pour terminer. Ok, ok, vas-y, bonne soirée. Tu veux encore nous faire une petite blague? Bonjour à tous, c'est Gims. Ok, ok, bon, allez, bonne soirée. Vas-y. Oh là là. Any Smiler, team chat. Il est vraiment parti. Oh non, Riv. Youpi. Pourquoi vous êtes triste? Oh non. Non, bah c'est un pote, c'est Riv, tu sais. Mais pourquoi tu fais genre que c'est une mauvaise nouvelle? Je comprends. Rivenzy, oh, reviens. Oh, Rivenzy. Ah, depuis que Rivenzy est parti, mon chat est en full sourire là. Ouais, mais. Ah. Ouais. Full sourire là. Riv. Ah, c'est cool, il va train pour la Zilan et peut-être la gagner quoi. Moi, on me dit depuis que Rivenzy est parti, je vais m'engager pour des associations caritatives. Ça fait plaisir. En vrai, les gens sont vraiment retrouvé goût à la vie et tout. Ah, il y avait un truc. Ouais, j'ai pensé que. Smilers, on est Riv, vachement mieux. Là. Beaucoup de smilers. Ah! Et bah super, Riv! Ah putain, comment on respire? Non mais Riv! Riv! Bah, en plus, il va faire des call à room, il casse les couilles. Oh non, il va faire. Non, non, il est là! Il est là! Ah, Riv! Oh non, Rivenzy, reviens! Et Sudre! Allez! Let's go tout le monde! J'ai cru que j'étais parti, mais je pars jamais! Ah, c'est parti! Allez! On est à 22h30, let's go! Ah ouais! Allez, tout le monde! Non, le TMCA! JD, tu veux que je te fasse chier avec ma GoXLR? Oh, TMCA! Vas-y, mais du Western, musique sur tout le monde! Ah, la VOD! Bah on est créateur de contenu, voilà, putain. Oh là là, il vomit sur le contenu. Casse-toi. Vous êtes démonétisé du coup, je suis désolé putain, non, my non, bad. Eh oui, ton bad, évidemment. Ok. Allez, c'est parti. Non mais au moins c'est démonétisé, mais c'est bon. Arrête. J'arrive la verte, attention. Déjà que j'ai aucun fun, si j'ai pas d'argent en plus, c'est pas cool. C'est vrai. C'est ouf. C'est vrai. Putain. Tu m'as plu?
J'ai envie de profiter de la musique de la map là. Encore ? Vous en voulez encore ? Oui ! Vous en voulez encore ? Oui ! Putain, genre ! Mais ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Ta gueule! Oh, vous êtes pas gentil avec Rive, il met l'ambiance! Ferme ta gueule, il met l'ambiance! C'est un vrai pote! Alors tout le monde! Tout le monde s'amuse! Ta gueule! Débile, débile! De toute façon, je peux pas couper, je suis en Wing Chun Game! Mais ta gueule! C'est infernal, putain! C'est quelque chose, Antoine, j'ai pas entendu! Oh! Oh là 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 là! Oh putain, j'ai pas entendu! Bah, ça, c'est pas de chance! Horrible! Comment? Oh, Angle, elle triche, elle a une action replay! Moi, sinon! J'ai vu si t'es passé au milieu! Si, si, si! T'es passé au milieu, comment t'as fait? Oh! Mais j'avais des champignons! Ouais, 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 ok. J'avais des champis. Ouais, moi aussi j'avais des champis, ouais. Non, mais j'arrive deuxième, on m'accuse de tricherie, non, mais d'où? Mais vous vous considérez comment? Non, t'as très bien joué en vrai. Sale merde, c'est ça? Pas du tout. Oula! T'es la meilleure. Bah, j'ai l'impression que commencer la roue. J'étais mieux tout à l'heure quand il y avait Yoko. Attends, mais il y a trois merveilles du monde, les jardins de Babylone et ton run sur MK. Il y a trois merveilles du monde, Angle Droit, Rivenzi et moi. Ouais, j'aurais dit la même, j'aurais remplacé merveille par merde. Très bonne vanne, mec, bien joué. C'est énorme ce qui se passe. Ouais. Si vous croisez Eton dans la rue, n'hésitez surtout pas à lui marcher dessus. Hein. Et du pied gauche, ça porte bonheur. Chirac a dit ça sur Sarkozy. Bien vu, elle a la référence, bien vu. Et on est reparti, messieurs dames, très bien joué. Oh mais putain, mais y'a pas quelqu'un qui veut lui casser la gueule là? Mais si, là, tout le monde. Maisonneux de Chester Rivenzi. 30 000 personnes sur Twitch actuellement qui veulent ça, hein, t'inquiète. All my homies hate Rivenzi. Vous me détestez pas, tous mes maisonneux. Rive, est-ce que t'as quelques citations de rappeurs ou de politiques ou de philosophes? Et on doit dire si c'est des rappeurs, des politiques et des philosophes. Alors t'as cru que c'était Combini ou quoi, la mec? Mais tu sais qu'on a une rêve là-dessus, hein. Ah ouais, c'est ça, bah, c'est pas un concept évidemment qui appartenait à Combini à la base. Ouais, en fait, ils ont récupéré. C'est à qui? Tu veux dire que Combini n'est pas une usine à invention? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est vrai, pire que ça. Et en fait, ils ont récupéré le concept d'un. Alors, mais après, il faut récupérer l'histoire, faut introduire les personnes. Non, introduis pas, dis direct. Vas-y, introduis. En gros, j'ai un pote qui bossait à la radio qui avait créé le concept, ce concept-là. Ah oui! Et en fait, sauf que du coup, dans son émission, ils l'ont pas trop fait au final. Et en fait, du coup, Combini l'a repris sans lui demander. Après, il est en mode, après, il a pas le seum, il est pas en mode, oh, franchement, il m'aurait pris mon truc. Il est en mode, bon, bah, c'est cool que le concept existe. Déjà, il est pas marseillais déjà. Et en fait, c'est vrai. Et en fait, c'est pour anonymiser que je prends l'accent pour ça. Mais du coup, il avait fait le concept, il avait déjà testé plusieurs fois en émission et tout et tout. Et après, ben, il a vu quelques semaines plus tard Combini reprendre le concept en mode philo ou rappeur. Et donc voilà. Et du coup, j'ai dit, mais fake. Et il m'a envoyé vraiment un dossier de. Je pense qu'il y avait 50 pages de citations de rappeurs et d'hommes politiques et de philosophes. Je rappelle quelque chose. Et j'étais en mode, ok. Du coup, voilà, ça a débunké quoi. Ça a débunké sévère. Donc on débunk Combini. C'est pour le TikTok, hein. Après, ça peut arriver des fois que les idées flottent dans l'air et que plusieurs personnes s'en saisissent, mais c'est vrai qu'à si peu de temps d'écart, c'est peu probable. Bah, surtout avec les mêmes citations et les mêmes phrases, quoi. Non, et surtout que les jeux, en vrai, c'est un truc, c'est tout le monde fait les mêmes jeux, tu sais, d'une émission à l'autre, enfin, c'est dur de trouver des vrais concepts de jeu, c'est toujours inspiré d'un truc ou quoi. Donc, en vrai, c'est pour ça qu'il n'y a pas de. En ce que Combini sont des voleurs de concepts, c'est juste que bon, c'est tout à fait possible que ça flotte dans l'air. C'est très très bien expliqué par JD. Tout à fait. Et voilà, c'est une petite anecdote, voilà, je vous la donne. Merci Rive, merci beaucoup, man. Merci mec, super. Ça nous fait très très plaisir. Je pensais que Florence arriverait à se débunker l'histoire plus tôt, mais je me suis permis de la sortir avant. C'est vrai. Ah non, mais j'étais déjà sur un autre dossier là, en fait. Ah ouais, t'as un autre dossier? T'as quelqu'un que tu veux débunker? Non, pas du tout. Dommage. Je suis vacciné du débunkage, je vais pas vous mentir. Ah ouais, t'as pas bossé sur d'autres dossiers? Je peux vous raconter une anecdote et vous allez pouvoir la débunker. Vous pourrez me dire si elle est vraie ou fausse. Je reprends un célèbre jeu, je vous laisse deviner lequel. Ouais, vas-y. Vous devez deviner si cette anecdote est vraie ou fausse. Oui, okay.
J'étais en convention à Fréjus avec mon ami Monsieur Connard il y a un peu plus de 2 ans. Oui. Et je lui ai dit, en fait, Mario Kart 8, c'est sûr, Nintendo, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir 48 nouvelles courses parce qu'ils veulent mais pas faire Mario Kart 9 2013. Pour l'instant. Tu dis ça depuis est-ce 2013, que cette anecdote forcément, est vraie carrément, t'as raison, tu vois. Est-ce que cette anecdote, déjà, elle est claquée, en premier. Elle est claquée. Déjà, elle est éclatée. Elle est pas très abusée. Et ensuite, je pense qu'elle est vraie. Elle est effectivement vraie, bien joué. Mais oui, mais tu dis pas ça depuis des années, mec. Tu dis pas ça depuis des années. Mec, l'anecdote de fou, quoi. Non, mais en vrai, j'avais dit très précisément ce qui s'est passé, sauf, il y a un petit détail que j'ai pas eu le temps de dire. On l'a refait ? D'accord. C'était il y a plus de 2 ans, et je lui ai dit « dans les 6 mois ». Et ça, c'était la petite erreur par rapport à la réalité. T'avais dit 48 courses, du coup. Ouais, mais depuis 2013, le jeu il était même pas sorti, faut pas déconner. Bah depuis 2014, vas-y, exagère pas. Tu me le dis à chaque Nintendo Direct, quoi, à chaque mineur, fois on ils rappelle. Vont annoncer Mario Kart 9. J'étais mineur. Moi j'étais mineur en 93, perso. Putain. Oh. T'es mineur ? Ouais, j'étais mineur en 93. Ah d'accord, oui, mineur. En 94, il était majeur. Ouais. En 94, non, toujours pas. Hein. Non. J'avais 5 ans. Rappelez-vous. Oups. Rappelez-vous, on s'en rappelle. C'est une map de fou, ça. C'est vrai que je l'aime bien. On vient de la faire. Hein. finalement. On l'a refait, quoi. Finalement, Moi, j'ai une anecdote, et c'est elle est vraie ou elle est fausse. Vas-y. J'ai déjà gagné un jeu télévisé. Je ne peux pas dire lequel, sinon ce serait trop facile. C'est vrai. C'est vrai, c'est les 12 coups de midi. Bah, c'était pas Motus, un truc comme ça. C'est les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi. Très, très fort. Ah, c'est les 12 coups de midi. Tu me connais bien, toi, non ? Bah, tu l'as déjà dit des milliards de fois, non ? Non, c'est... Oh là là, j'en ai marre. C'est si bien. Moi j'ai une anecdote. J'ai pas les couilles de faire un jeu télévisé que je prépare depuis 2 ans. Et j'avoue, pourquoi tu. L'anecdote est 100% fausse, mec. 100% vrai. 100% fausse, car le leak, je vous le dis, il s'est inscrit. Il s'est inscrit à question pour un champion, messieurs, dames. Il le fera la semaine prochaine. Il s'est inscrit. Attention, JD la rouge, tu feras gaffe. Alors, en vrai, tu te sens toujours pas prêt. Attention, JD les flammes, tu feras gaffe. Non, mais là, c'est bon, là. Je pense que c'est qu'une question de. Là, c'est qu'une question de genre un arc. Je vais juste faire un arc sur Twitch où pendant un mois je vais ramener des gens chez moi et je vais me full train comme si c'était la Zilane, tu vois. Et j'attends juste, je vais faire un arc et à la fin de l'arc je m'inscris. Mec, invite-moi, j'ai beaucoup de connaissances perso. Bah, en vrai, à 100%, je t'inviterai pour la partie jeu. Moi, j'ai beaucoup de connaissances. Pose-moi genre, une, question. Une question. Une question. Cite-moi 3 villes du Bangladesh. Wouah, c'est chaud. Ouais, d'accord. Oh, c'est Dhaka. Chaud. Ok. Cox Bazar. Ouais. Oh. Non. Non, il va pas alors, le faire. Peut-être. Non. Peut-être. Il a pas. Il cherche le Google. Non, peut-être. Bah je peux pas googliser. Il est en train de jouer. Gros. Non, mais c'est trop dur en vrai. non, attendez. Chittagong. Non. Il l'a pas fait. Je connais pas Chittagong. Il vient de l'inventer. Tu connais pas Chittagong ? Non, il vient de l'inventer, c'est sûr. Ça existe pas du tout, Chittagong. Non, ça existe vraiment, Chittagong. Non, non, ça existe pas, il a inventé. Non, ça existe, c'est la deuxième ville du pays. Oh, le joueur. Quoi ? Mais ça n'existe pas, personne. C'est lui son chat, c'est lui son chat. J'ai pas lu mon chat. Si, tu me connais, je lis pas le chat. Oui, c'est vrai. Chittagong. Oui, Chittagong, oui, c'est vrai. Il est exceptionnel. Non mais du coup, je pense que je vais juste faire un arc où genre chaque semaine j'invite un spécialiste de tel sujet. Genre un spécialiste cinéma, un spécialiste géo, un truc comme ça. Et au bout du mois où je traîne, si et je m'inscris. Si un jour tu tombes sur une question sur Final Fantasy XIV Online, mec, n'hésite pas à m'inviter un seul instant. Mais c'est vrai que tu dois être incollable sur le jeu, genre. Si tu faisais, tu sais, genre un quiz de Jiraya où Jiraya il demande des thèmes qui peuvent être de tout, des thèmes pop culture. Ah, tout. J'avoue. Tu mets FF14 online en thème, t'es injouable. Ouais, comme ce qu'il faisait Gigi aux barrières, ouais, c'est ouais, ça. Exactement. Ou les capitales moi, du j'avais, monde. Moi, j'avais. Soit l'un, soit l'autre. On s'avait choisi Zelda et j'avais répondu à son quiz, j'avais tout carton. Oh là. Zelda, c'est vaste, quand ah, même. Mais toi aussi, Étoile, d'ailleurs, j'avais répondu à ton quiz, j'avais géré. T'avais fait 3 sur 4 et c'était un quiz assez dur en vrai. C'était quoi le thème ? C'était quoi le club ? C'était les drapeaux ? Non, c'était un quiz sur le lore de Zelda. Un peu plus. Ah oui, c'est le domaine de la. Ah, mais tu me l'avais ouais. Posé des questions. En plus, y a si un je clip m'étais concentré, marrant, j'aurais fait là. Mieux. Donc. Bah, c'était en full fin d'event, mais j'avoue que t'avais fait 3 et la majorité des gens avaient fait 2. Après, tu as eu une émission où tu parlais quand même du lore des jeux Zelda. Oui, quoi, donc, c'est vrai. Quand même, tu as quand même pas mal tartiné le lore. Bah, Zelda, c'est large, hein, par contre. C'est effectivement très très large. Hein. C'est hyper large. Si c'était pas... ouais. C'est large sur Smash aussi, hein, le Lightbox.
quel sujet vous choisiriez pour un quiz comme ça, genre vous êtes en mode voir celui-là, celui-là. Je le taffe un petit Mario. Peu, mais je suis assez content. Mario n'importe quel sujet. Ah mais Mario c'est large aussi. En gros, tu sais que ce sera dans un quiz de culture générale. Fan de Bourgoin, tu te dis si je taffe. Moi ça c'est les chiens, je pense. Et Mario de métal, mais vraiment que des questions sur Mario de métal, t'as pas le reste. C'est vraiment le thème précis quoi. Moi je pense à Avignon, Mario en vrai. C'est quand même précis, ouais. Avignon. Moi ce serait les drapeaux du monde. Ouais, mais comme d'hab. Les capitales du monde en vrai. Au truc de Gigi, je crois. Ouais, mais t'avais déjà vu ça en vrai. Et c'était Link, non? Non, c'était OD qui avait pris les bières. Oui, les bières. C'était grave de nuit. Les bières belges, un truc comme ça, non, non. Les bières d'abbaye, non? Bières trappistes? Oui, ah, oui, comme ça. En même temps, les bières d'abbaye. Il a pris les bières trappistes. Ouais, mais il y en a pas genre 12. Oui, c'était ça. OD, ouais, il avait 13. Pris quoi. Les 13, ouais, c'est ça. C'était son thème. En fait, prendre des thèmes de niche où il n'y a pas beaucoup de trucs, c'est vraiment la. Bah, ça carie, bah, c'est win, ouais. C'est la bonne strat parce que. Si tu dis l'histoire, t'es en mode bon bah bonne chance. Hein. Ah non, l'histoire. Toi, pourquoi t'avais pris Mario Kart 8? Oui, moi c'était Mario Kart 8 Deluxe. Oh, je suis un connard. J'avais les toits, oh, je mérite, je mérite. Moi aussi. Oh, je mérite. Oh, je mérite tellement là. Par contre, vous avez vu comme la map est nettement plus belle en termes de détails que toutes les nouvelles, c'est fou, oui. En vrai. C'est vraiment fou. C'est vraiment dingue. C'est juste hallucinant. Dang, dang, dang. Non, après. Attends, dang, dang, dang. Quand t'as ton poum, c'est une genre original. Quand elle wine dans son genre. On pourrait se dire là encore c'est une map originale, mais le seul truc c'est que même les maps remix dans le Mario Kart 8 original elles sont vachement mieux aussi en termes de graphisme, c'est ça qui est assez dommage je trouve. C'est que vraiment les... J'ai pas compris. Bah, en gros tu vois ça c'est une map originale de MK8 qui a été créée pour MK8, mais dans MK8 il y a aussi des maps qui remixent des jeux d'avant tu vois. Mais même les maps remix des jeux d'avant elles sont vachement plus belles que le DLC qu'on a eu. Oui. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas lié au fait que ce soit des maps remixées. C'est une vérité. C'est un peu, peu triste. Cette anecdote est vraie. Quelqu'un qui me dit après c'est et smart, je suis devenu président en 2017 de la France, cette anecdote est elle vraie? Ouais, je me concentre maintenant. C'est faux. Cette anecdote est fausse. Il est hyper fort, il est hyper fort. En vrai, c'est impossible de jouer avec. Vas-y, enchaîne. Prendrais quoi, Rivenzy, comme thème du coup, toi? Je sais pas ce que je prendrais. Je pense que ça serait un thème sur la Seconde Guerre mondiale, je pense, à mon avis. Oh, putain, il saoule avec sa Seconde Guerre mondiale, putain. C'est fini, mec, hein. Ça fait longtemps, j'en hein. Fini, mec. C'est la troisième maintenant, hein. C'est ce que les Alliés disaient à Hitler. Tu saoulais avec ta Seconde Guerre mondiale, bro. Bro, je sais pas si c'est bro, mais ça saoulait. Non, je sais même pas ce que je prendrais comme thème. Globalement, c'était ça. Hein. Et toi, Antoine, tu prendrais quoi? Un truc sur les capitales, les capitales du monde, probablement. Ouais, les capitales du monde. Et toi, Florence, t'as dit les chiens? Des chiens, vraiment? Ouais. C'est large, quand même. Je pense que c'est le sujet sur lequel je me connais le plus, en fait. Mais pas genre le... Il y a pas un truc en droit particulier ou quoi? Non, 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 je me risquerais pas ça. Bah... Après, je me ferais débunker par ma propre communauté. Non mais le droit c'est trop large en fait. C'est trop large. Oui mais tu peux choisir. Le droit, t'as jamais étudié. Oui mais tu peux dire donc le droit de quelque chose. Genre je sais pas, droit du travail, enfin oui. J'en sais rien tu vois. Ouais mais ça évolue trop. Après c'est un coup à ce qu'on te sorte. Dans la loi de 1964. Ah oui d'accord. Ouais, voilà, et tu peux pas dire genre la loi décret mes couilles là. La loi du travail des 20 dernières années tu vois. Genre par exemple. Je sais pas. Il y en a eu tellement. Ah ouais. Après bah oui, ça dépend de qui écrit les questions, c'est à dire que quand tu faisais les grands streams de Gigi, tu savais que c'était des gens chez le stream qui écrivaient, t'étais en mode bon, ça devrait aller, ils vont fouiller un peu la page Wikipédia. Mais s'ils ont envie d'être taquins, tu vois. Tu veux dire qu'il y a une limite mentale globalement? C'est ça que t'es en train de dire. C'est pas ça, mais ils ont aucune connaissance, aucune culture. Non, c'est pas ça, mais quand je sais qu'il y a 40 quiz à écrire pour potentiellement 40 finalistes, bah je me dis que tu vois, ils ont pas le temps d'aller fouiller hyper deep tous les sujets, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, moi j'avais choisi les tanks de la Seconde Guerre mondiale comme sujet, j'étais en mode bon. Les tanks? Je suis un peu pré-chaud avec les blindés de la Seconde Guerre mondiale. Oh ce mais vieux nerd de quoi? Oh. Les tanks. Le nerd de l'histoire quoi. Oh le gros nerd quoi. Moi j'aurais pris. Les tanks, mais tu t'y connais en tank? Un petit peu ouais. Mais genre par exemple, genre un petit modèle là, tu. Petit modèle pour toi, ton modèle préf? Bah le modèle le plus connu de la Seconde Guerre mondiale c'est le char tigre quoi tu vois. Ouais le char tigre. Qui a été le char tigre allemand qui a été notamment designé par Porsche avec un canon 88 demi dessus. Voilà. Ah oui d'accord, ah oui d'accord, des vraies connaissances. Non mais après c'est enfin tout le monde qui connaît, enfin tout le monde qui s'intéresse un peu à la Seconde Guerre mondiale connaît le char tigre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ouais bah c'est la base, c'est la base. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Mais attends, oh non, évidemment. Non, je passe au milieu. Après, chez les Français, t'as le Charles B1 bis, bien sûr. Chez les Allemands, enfin, chez les Russes. Arrête, 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 arrête. Il va y avoir un éclair dans 1. On va pas toucher de match, je suis trop de balles, tiens, bah. 3. Mais bon, what the fuck? Ouais, je sais pas, bro. Mais il va y avoir un éclair en fait, je suis mort. C'est le truc. Non. Et le T34, mais le T34, c'est moins de l'ingénierie de toi. Ouais, T34, c'est moins stylé en vrai. T34, c'est une classique la T34. Ça va, Rayou? Oh non, Antoine! Qu'est-ce qui se passe, Rayou?
Parce que je me suis pris dans la course, je me suis fait exploser. Putain, je me demande. Oh, la banane cheatée. Oh, elle est magnifique. Bien joué, bien joué. Tu venges Rayou. Let's go. Oh, la bouffe. Ok. Mais je merde. C'est bon, let's go. Voilà. Quand on est sur une bonne course, là, ça marche. Mm-hmm. Bravo à tous. Bravo. Bravo. Mm-hmm. Okay, okay, okay. Non, j'avoue, les chiens, ça fait moins stylé que la Seconde Guerre mondiale, mais bon, écoutez. Non, non, après, y a pas d'autre. Mais on va te piéger bah, avec les chiens. Le problème, bah, problème. Les chiens, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les chiens à la Seconde Guerre mondiale. Pareil, pareil. Des propos polémiques. En fait, le problème, c'est que les chiens, tu vas trop avoir des questions genre à qui Marie-Antoinette a-t-elle confié son chien. Tu vois, vraiment des questions mais un peu non. Oui. Ou quelle race a été croisée entre, enfin, tu vois, ouais, en 1857. Ah non, ça, je pense pas ça. C'est vachement vague les chiens, genre c'est pas vague la Seconde Guerre mondiale peut-être. Non, en tout cas, il a pas dit la Seconde Guerre mondiale, il a dit les chars de la Seconde Guerre mondiale. Non, je prendrais le YouTube de 2012 à 2015. D'accord. Bah ça c'est possible hein. Antoine Daniel. 2012 à 2015. Antoine Daniel. Oh, c'est les chansons youtubeurs. Qui est-ce qui avait les chansons youtubeurs? Oh, les chansons youtubeurs. Ah ouais, non. Antoine Daniel. Un collab là-dessus. Ah, c'est ma botte secrète. J'avoue. Les chansons youtubeurs. Ma botte secrète. Je reste ouvert à tout topé. Mais je pourrais aussi prendre ce thème. Oui. Ah, je pense qu'il est moins expert que moi. Aussi ce bon. Ah quoi, okay. Vrai, il est fort. Ok, Antoine. Non, il est fort, il est fort. Ah. C'est trop fort. Antoine, vas-y, question. Antoine, question. Quelle émission regarde Norman au début de sa chanson, la chanson, au début du clip, la chanson du faux? Très bien, il s'agit de Quotidien de Yann Barthès. Très bien, il est en train de parler de quoi, Yann Barthès, à la télé? Il est en train de parler de... Putain, je sais plus. Je connais même pas cette chanson. De... Quelqu'un qui... Oh, je l'ai su, je l'ai su. Quelqu'un qui nous a quitté il y a pas longtemps. Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Tout à fait. Très bien. Parle de Jean-Pierre Pernaut, il mange des haricots. Mais quoi, mais je connais même pas cette, cette chanson en fait. Non, mais attends. Vous voyez quand je vous dis que c'est leur thème de prédilection. Hein. Ah, on m'a dit nerd quand je parlais de tank, hein, franchement. Ah ouais, j'avoue, ça fait pas. Non, non, vous savez pas, vous connaissez pas. Vous connaissez pas le lore. Le lore. Bah, ce qu'on voit, c'est que tu connais quand même par cœur tout ça, quoi. Explose-le, tiens, explose-le. Montre-lui. Je passe combien de temps par jour à regarder ça? Non, arrêtez. Mais ulti. Mais quoi? J'attends, je garde ma protèque en attendant. Quoi? On est pas le lore. Mais par contre, Antoine, t'as peut-être moins les vieilles chansons. Si je te dis par exemple, dans quelle console sont Kiwi et Cowboy en 3D? Ah ouais, non, là je dois admettre, c'est compliqué le Velcro. Voilà. Oh mais putain. Attends, mais quoi? Ça n'a aucun rapport avec la musique ça. C'est le Velcro. Velcro 5 étoiles. Oh, Velcro, j'ai la ref par contre. Velcro, j'ai la ref. Kiwi et Cowboy en 3D dans ta Game Boy. Ponce par contre! 5 étoiles. Eh, ok, Ponce. Ok, j'ai rien fait, bro. Ok, bro. J'étais déconnecté. Putain, je vois rien. Qui c'est qui a été déconnecté? J'ai été déconnecté. Quoi? J'ai été déconnecté, malheureusement. Ah bon? T'as été déconnecté? Non, c'est vrai? Après, je crois que c'était la dernière. Je crois que c'était la dernière. Il me semble. Oh, c'est la last. Je crois que c'est juste parce qu'il joue mal, il dit ça. Pas sûr. Non, j'ai pas quitté la game. J'ai pas quitté la game. En plus, j'étais pas trop malin en plus dans la robe. Non, mais... Bref. C'est des mecs quand même. Putain, mais qu'est-ce que je me ramasse? En plus, j'avais même pas remarqué que j'étais déco quoi. Ça non, mais t'inquiète, mec. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, mec, y'a aucun problème. Alors, comment on va faire hurler Antoine? Ok. Mec. La prostate. FF. Oh! Ouais, toi! Oh, sale chien! Oh non! Mais putain, mais c'est horrible ce tour! Moi je trouve ça. Ça boum! Chaud! Bordel! Quand on entre sur la piste! On bangle, hein. On va! On est venu claquer du pif! Politique, on n'intéresse pas quotidien, mais le petit journal! Oh le choc! Non! Oh le choc générationnel! Alors là, vraiment faux! Non, je crois que c'est faux! Faux! Faudrait que attends, tu. Moi, je vais checker, hein! Je crois que c'est un faux chat en vrai! Il faut fact check! Attends, je vais fact check! Je vais débunker! C'est quoi le nom de la vidéo? Oui, il a vu Yann Barthès! La chanson du faux! Ça, c'est le petit journal! La chanson du faux? Qu'est-ce que c'est? Jamais entendu parler de ça! Il y a 4 ans! Ah, c'est peut-être pour ça! Il n'y a pas de témoin aux toilettes, je me lave quand même les mains! Faux! Bien sûr! Un classique, messieurs dames. Je l'ai pas écouté. Ah, mais en fait, on voit pas. On voit pas la ligne. On voit même pas l'écran. On est des malades. On voit même pas l'écran. En fait, c'est juste qu'on entend le son de Yann Barthès, mais on sait pas si c'est quotidien ou le petit journal. Let's go. Mais à l'époque, c'était quotidien, en fait.
Oui, oui, en fait, c'est forcément quotidien parce que Perno est jamais allé 2018, dans... 2018, la chanson du faux, donc forcément, c'est quotidien. C'est beaucoup plus récent que ce que je croyais. 2018 ? Ah, c'est récent, ouais. C'est j'ai jamais entendu l'existence de ce son. Enfin, je n'étais pas... Je pense que c'est quotidien. Non, c'est quotidien. C'est quotidien, 100%. Parce que si c'était il y a 4 ans, c'est quotidien, c'est sûr. Mais comment je peux ne jamais avoir entendu parler de ça ? Pourtant, ça a bien vieilli et tout. Je vais quand même écouter un peu, mais... Non, mais tu vois... Arrête, rigole pas, mec. Non, non, je vais écouter ça, moi. Ouais, ça a combien de millions de vues, ce truc ? Ça a 11 millions de vues. J'ai jamais entendu parler de ça. Oh, putain, bientôt 12, ouais. Je comprends pas. Enfin, c'est bizarre. Pourtant, je suis super au fait, quoi, mais... Ça parle de quoi ? Ça parle plutôt de trucs qui sont faux. Ouais, c'est Mystère qui a la prod, tout à fait. C'est Mystère qui a la prod. Toucho Ninja ! Ouf. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus. C'est une dinguerie, vraiment. Attends, mais... C'est là, là, on est en train vraiment de donner 10 000 vues à Norman, là. Comme ça, c'est vraiment... C'est... Cadeau, voilà. Ok. En plus, on peut même plus mettre de pouces rouges, quoi. Putain, fais chier. Fais chier, oh. Quoi. Si, tu peux en mettre, mais c'est plus affiché, quoi. Bon, c'est toxique, mon interrogation. Merde. Méga toxique. J'ai jamais mis un pouce rouge de ma vie. Ouais. Oh. Bah, mec, quand on avait regardé une vidéo d'Antoine chez toi, il y avait. À part les vidéos d'Antoine. Je mets ça sur chacune des vidéos de Ponce. Hein. En tout cas, la dernière vidéo de Norman, c'est sur les élections présidentielles. Donc, oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu aussi. Alors ? Je l'ai vu. Moi, tout le monde a perdu son badge de sub dans mon chat. Oui, moi aussi, oui. Oui, moi aussi. Ouais, pareil. Quasi tout le monde. N'hésitez pas à sub pour voir si ça remarche. Vous êtes obligé de resub, évidemment. N'hésitez pas à sub, comme ça, vous checkez. Sur la chaîne de Rivenzy, seulement pour récupérer vos badges. Seulement sur ma chaîne, pour le coup. Quel marketeur, putain. C'est sur ma chaîne que ça peut... Ouais, désolé, c'est vraiment que sur la chaîne de Rivenzy, c'est bien marqué. Pour récupérer vos... Non, il n'y a pas écrit. Eh oui, non, il y en a certains qui l'ont, d'autres pas. J'avoue, elle est moche, la courte. Mais il n'y a plus personne. Mais oui, si on compare aux anciennes, elles sont moches. Hein. Ah ouais. Ah voilà, ah, merci Solfo pour les 5 sub gifts. Alors, les badges. N'hésitez pas. On voit les badges. Je crois qu'on voit les badges avec Prime, il me semble. C'est à tester, mais il me semble. Ouais. C'est à check. Putain, mais je suis dit avant ce truc. Putain, mais laissez-moi vivre un petit peu là, non ? On peut te faire un flow. Non, mais là, je m'amuse pas. Merci. Pour les 21 abonnements offerts. Je sais pas pourquoi 21, mais c'est beaucoup. Merci. Jeu, non. Merci beaucoup, c'est très gentil. Un jeu où on se tape. Qui commence par S. Moi, je le fais avec toi. Je joue avec toi, Étoile. Qui commence par S et finit par Mash. Ouais. Vas-y, joue avec toi maintenant, j'ai plus votre niveau là. Ouais. Oh oui, j'ai envie de jouer contre cette Zelda, putain, j'avoue. Ouais. Non, tu l'éclates la Zelda, mec. Ah, je suis pas sûr. Hein. Fois, tu l'avais éclaté. En visant des coudes avec sa Zelda. Ouais. Bah attends, elle m'a tellement martyrisé en vrai. Oui. Quel jeu de fou, Smash. J'ai envie de casser toutes les compétitions qui existent sur Terre maintenant. Merci, Faisouro. Merci à toutes et tous du coup pour vos primes, mais on déconne évidemment. Mais merci. Mais merci bah beaucoup. Ouais, mais wow. C'est faux, mec, t'étais excellent. Je rigole, j'ai kiffé. J'ai trouvé excellent. C'est la passion, c'est la passion, c'est la passion. Ça a l'air de pas marcher les badges, mais merci. Merci beaucoup. Excellent cast, bah juste le. Mais non, mais t'étais très bon, arrête de prendre ta première dingue. Non, mais j'ai kiffé, je sais, tu m'avais dit, je rigole, je sais, c'est vrai, t'inquiète. Y'a rien. Ça va, alors ça compte, c'est une blague, ça va. T'es moche, IRL. Quoi ? Ok. T'es plus beau. Non, mais c'était trop. Trop bien, je regrette pas un seul instant d'avoir acheté les droits, quoi. C'est une dingue. Ouais. On coûtait quand même 50 millions de dollars, hein, quand même. Non, en vrai, c'était pas si cher pour quoi les 3 jours, quoi. En fait, c'est cher. Oh non, j'ai rien de droit. Oh non, ici, alors que pas du ça fait rire de me dire que t'as acheté les droits de quelque chose, en fait. Merci beaucoup, les fleurs. Merci beaucoup. T'as payé pour quoi? T'as payé pour le summit? Ouais, j'ai payé pour le summit. Ouais, les droits de diffusion. Les droits de diffusion pour avoir le clean feed. Et tu sais que je pouvais payer pour avoir l'exclusivité française. Ah oui, c'est vrai, tu pouvais payer plus cher, c'est ça? Ouais, en fait, si je payais 3 000 $ de plus, je pouvais empêcher Solary de cast. Genre vraiment. Pourquoi t'as pas fait ça, mec? C'est lunaire. Ça te ressemble pas. Même s'ils ont un joueur là-bas, en vrai? Ouais, même s'ils ont un joueur là-bas, si j'avais payé 3 000 $ de plus, ils n'avaient pas les droits. Ah ouais, du coup, t'aurais dû leur demander genre 2 500 $ pour pas que tu prennes le truc à 3 000 $ et tu gagnais juste de plein d'argent, en fait.
Genre, en fait, quand ils m'ont dit ça, j'étais en mode, mais what the fuck. Mais en plus, c'est, je trouve que pour des droits, en plus, c'est pas si cher payé l'exclu. Genre, vraiment 3000 et tu empêches tout ton pays d'avoir ailleurs la diffusion, c'est pas très cher, non? En fait, ouais, c'est vraiment bien joué en vrai. En fait, en soi, le truc qui est abusé, c'est que tous les autres tournois le font gratuitement. Parce qu'en fait, ils considèrent... Enfin, là, regarde, si tu regardes en termes de chiffres, et bah, il y avait 15 000 voire 20 000 viewers sur le live à 2-3 heures du matin en France. Ça fait une visibilité pour l'event qui est insane. C'est insane, bien sûr. La plupart des... et en fait, la plupart des tournois auraient accepté. Donc c'est pour ça que les gens grinçaient un peu des dents en mode, putain, ils te demandent en plus de l'argent, alors que la plupart des tournois... Et bah accepte gratuitement. Bah oui, ça leur donne de la visibilité de base, quoi. Ouais. Mais moi j'étais en mode, j'ai pas vraiment réfléchi, je me disais, je vais avoir un clean feed, c'est un droit de diffusion, ils me demandent de payer, moi c'est un event que j'adore regarder et que je regarde chaque année. Genre je me suis pas trop posé le tellement. Il y a tellement de compètes qui font payer, enfin genre Counter-Strike, tous les droits sont payés. Bah quoi. C'est tout le temps payant, ouais, hein, normalement. Mais Smash non. En pas fait, Smash, mais sinon, ouais. Smash, vraiment, la plupart des gros tournois te donnent tous les droits gratuitement. Mais parce que c'est Smash aussi, tu vois. Ou en gros, à part la niche, personne regarde. Mais c'est vrai que normalement, c'est toujours droit de diffusion, toujours payant, quoi. Ouais, clairement. Putain, mais Antoine, pourquoi tu fais ça en arrière? Ouais. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Après, c'est vrai que c'est un modèle fait télé, quoi. Non, c'est pas moi. Les droits de diffusion d'une compétition, c'est un truc à la télé, c'est pareil aussi, tu vois, pour le sport. Ah, bah clairement. Bah, oui. Après, plus ou moins cher selon le sport, tu vois, mais. C'est un modèle économique. Oui! Qui essaie de s'imposer aux États-Unis, quoi. La prod était quand même vraiment bien, quoi. Genre, au moins, ils se sont pas foutus de ma gueule. Ouais, le clean field était propre, quoi. Ouais, le clean field était cool. Et moi, ça m'a trop donné un... Ça m'a grave donné envie un jour de pouvoir me déplacer aux US et faire un bureau de cast là-bas, tu vois. C'est... Ah ouais, les poils aux US! Dès que t'es caster, t'aimerais tellement pouvoir caster sur place à chaque fois. Enfin, c'est un rêve de fou. C'est ton rêve, toi aussi, Rive, ouais. En vrai, moi, j'aurais... Moi, ce que j'avais envie, c'est de caster en live, soit des événements. Genre, j'aurais dû le faire pour la Coupe du Monde Overwatch. Sauf que ça s'est jamais fait parce que. Parce que Blizzard. Non, parce que la boîte de prod française qui gérait l'événement sur place a dit non, on veut pas les casters. Parce que moi, en fait, je commentais. Je vais faire l'histoire au complet rapidement. Je commentais la deuxième division donc d'Overwatch, qui s'appelait les Contenders. Et en gros, il y avait en parallèle la Coupe du Monde, donc qui était les sélections. C'était trop stylé, équipe de France, Angleterre, Corée, etc. Et il y avait une étape en France pour les phases de groupe. Et ils se sont dit, cette année-là, je pense que c'était 2019, ils se sont dit, on va faire une pierre deux coups, on va faire les phases de groupe de la Coupe du Monde, et on va en profiter pour faire la finale de la deuxième division, sur place, etc. Et du coup, moi qui étais à ce moment-là commentateur de la deuxième division, je me suis dit, mais trop bien, j'ai trop envie de le faire, enfin, je commande la compétition, c'est quand même une chance de ouf de pouvoir la mettre en avant, et comme je la commande depuis 8 mois, j'avoue que j'aimerais bien la commenter, quoi, cette finale. Ouais. Et en gros, la boîte de prod française a dit non, désolé, on n'a pas de place pour les casters de la deuxième division, désolé, on se sera casté par d'autres personnes. Oh, la deuxième division. Et du coup, je suis en mode, mais c'est-à-dire, on peut pas commenter. Alors, en gros, on n'a pas le budget. Je dis, non, mais moi, je viens faire un caster pour 0€. Il y a un public, c'est une finale d'une compète que je... Ouais, je veux juste venir, en fait. Ouais. Je veux juste venir, quoi. Ils m'ont dit, non, c'est impossible. Donc, voilà. Quel enfer. Ouais, du coup, c'était un petit peu dur, quoi. Un petit peu dur à ce moment-là, ouais. Parce que tu taffes sur le projet depuis longtemps, tu sais le mettre en avant. Nous, en plus, on faisait des musiques à ce moment-là toutes les semaines pour essayer d'hyper une compétition qui... Cette deuxième division continentale d'Overwatch, c'est quand même... Quel créateur. Le plus médiatisé, tu vois. Un créateur de fou. Donc bon. Non, c'est... Mais ouais, arrive, toi, j'embrasse ça te... la boîte de prod. Je suis mute depuis tout à l'heure, hein, depuis avant le début de la course. Let's go. Ça te manque de caster, toi, qui de base des casters? Ah ouais, moi de fou. Oui, bien sûr, ça me manque, mais en fait, le truc, c'est que c'est trop dur de... C'est moi qui ai voté pas, putain. Enfin... T'as l'air à toi. Il est trop fin, je sais pas comment... Enfin, et toi, après, il connaît très bien Smash, mais c'est tellement dur de trouver un jeu où t'as envie de t'investir suffisamment pour connaître bien la scène, bien les moves. C'est dur de fou. C'est dur, hein, d'être... Je déteste cette map. Tu sais, connaître parfaitement une scène. Et c'est pour ça que j'avais arrêté Overwatch, parce que je me disais, je fais des émissions en même temps à côté. Et en vrai, c'est bizarre, donc c'est catastrophique, donc ça ne motive pas non plus. Moi, je casterais jamais Smash si j'étais pas allé en tournoi chaque semaine pendant genre 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça le truc, c'est vrai que c'est tellement de fou. C'est le fait de connaître la plupart des joueurs et tout, d'avoir pu jouer avec eux, qui fait que... Je suis un peu carré par la mémoire, j'ai une bonne mémoire. Et du coup, ça m'aide d'avoir des anecdotes sur la plupart des gens. Parce que sinon, je casterais pas. C'est chiant, ça. Et c'est pour ça que quand on m'a proposé d'aller commenter le Grand Slam à Paris, tu vois, de judo, j'étais en mode, mais go, enfin, je connais le sport, j'en ai fait pendant plus de 10 ans.
On peut le faire sur Twitch, j'ai sauté sur l'occasion quoi. Mais c'est vrai qu'il faut des disciplines où t'es calé parce que sinon c'est pas possible. Je fais ça un peu avec le rugby aussi de temps en temps pour les matchs d'équipe de France. Mais ouais. Enfin, moi je serais pas capable de faire tout ça. Ah, moi non plus, le cast impossible. Je pense que je connais bien. Ah, moi c'est un peu débilos comme on fait, comme on a pu faire les dernières années à la série. What mais c'est sympa, mais sinon, sinon c'est compliqué quoi. Ah pareil. Samsung Antoine. Ah, arrête. On peut voir les stats de Ponce. Des casters sur Apex, oui, je pense qu'il y en a, j'imagine. Non, okay, okay. Le jeu est quand même vieux après, maintenant. Après avoir fait le truc Samsung, en vrai, je peux tout faire maintenant. Putain. J'ai besoin d'un reboot mental là, si je peux me permettre. Exceptionnel Samsung. Les gens dans le chat me disaient, ouais, tu pourrais caster Apex, je m'en dois, les gars. Ce serait honteux pour le jeu que je commente. Bah, aujourd'hui, oui, mais demain, non, tu vois. Enfin, ça se travaille quoi. Moi, je m'y mets un peu. Finalement, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Exact, Ultia, c'est bien dit, bordel. C'est bien One Life. La vraie réponse ici d'Antoine. One Life, bordel. À quoi, Étoile ? J'arrive pas à voir. J'ai une prot. Non, t'inquiète. Oh, j'ai... Excuse-moi, c'est vraiment, c'était pas destiné. Bah, c'est la seule que t'auras réussi à viser, hein, c'est une carapace rouge, parce que là, depuis. Mais putain, mais j'en ai marre ! Attends. Ah, ça y est. Coup dur. Elle se transforme. Non, elle est à bout de neuf. Elle nous fait un breakdown. Je suis à bout là, je suis à bout. Dans la danse. Dans les années 2000. Bon, viens, on fait un jeu. Vas-y. On prend un item. Celui qui met un item à l'autre, il laisse le mec passer. Putain. Vas-y. Attends, je freine. J'ai une banane. J'ai une verte. Ok. Ok. Ouais, mais. Non, allez, mais t'es trop con. Mais t'es trop con, mais bon. C'est une catastrophe ce move. Mais c'est un bâtard, il a tracé à la fin. T'es une merde. Oh, règle la merde. Oh la grosse merde, ton cast il pue la merde, j'espère que t'auras plus jamais les droits. Mec. Oh, non. Oh. Il a pas tort. Oh, non. Derrière Mario de métal. J'ai fait une masterclass, hein, tout simplement. Oh, c'est trop masterclass. Je croyais qu'on était potes, Rayou, mais on est... J'ai pas fait exprès, mec, je te jure, j'ai pas fait exprès. Mais je pensais qu'on était grave en avance comparé aux deux autres, c'est pour ça. Je te jure, j'ai pas fait exprès, mec. Non, mais vraiment. J'ai même pas fait exprès. Vous êtes un peu l'atmosphère si vous voulez. C'est vrai que j'ai casté le tournoi Sims au The Event, mais franchement, je vous avoue que c'est un exercice super stressant, que me suis trouvé naze et que heureusement il y avait TPK. Ah, TPK est chaud par contre. TPK les est gens chaud. Étaient vachement contents du truc. C'était bien, oui, ça. Mais de l'organisation, des jeux, du voilà, des streamers qui étaient dessus, mais pas de mon cast, tu vois. Ah bon, moi j'avais vu que des bons retours là-dessus, surtout. Enfin, ils étaient. En tout cas, personne trouvait ça à chier, quoi. Enfin. Oui, c'est clair. Oui, bien sûr. C'était bien sorti, moi je trouvais. J'ai pas regardé. Mais après, il y a forcément des trucs à améliorer. Super. Tu vois, forcément, c'est une première, mais c'était pas. Non, c'était une deuxième, Riven. Par contre, faut suivre. Allez, hop, ouais, il te complimente. Non, mais je croyais que tu répondais l'année d'avant. Excuse-moi. Et tu t'excuses en plus. Mais c'est quoi ça? Allez. Non. C'est un cauchemar. Il y avait un blanc. Il y avait un blanc, c'est pour ça. J'ai senti un truc un peu gênant, du coup ouais, j'étais les clés. Je me suis permis un peu de jouer les clés blancs, la vie. Les clés quoi? Non, rien. Vous allez voter pour qui au présidentiel? Quand il y a un blanc, ça fait toujours plaisir. Excusez-moi, j'ai pété un planche. Bah moi depuis que Jean-Luc il a Red Ponce, je pense que Mélenchon est un... putain, la tournée de ça. Et Florent, ça s'est fait raide par Yannick Jadot. Non, c'est vrai. Je me suis fait raide deux fois par Jadot, moi. What? Ah oui, ah, bah, oui, bah, okay, bah il nous fait tous. Mais non. Mais quoi? Avec combien? Il y avait un interview, un truc comme ça. 75, ok. Et j'en tape. Non, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, une fois, ils ont raid Jean Massier et il y avait genre 22 viewers ou un truc comme ça. Ah. Pas beaucoup. Vraiment, le buzz. Le buzz. Jadot, ouais. Le buzz avec deux Z. Un buzz avec deux Z. Ouais. Est-ce que... Moi, Mélenchon, il m'a raid pendant que je jouais avec Squeezie. Oh putain. Il est fan, hein, Il est fan, hein. Mais du coup, t'as dit quoi, toi, Florence, quand tu t'es fait raid? Parce que moi, j'étais un peu... Merci, Yannick Jadot, pour le raid. En fait, bah littéralement, tu sais, t'as la phrase, tu sais, et après tu lis le pseudo et t'es en mode. En fait, c'est ça, moi j'ai dit merci Y Jadot pour le. Y Jadot. Merci Y Jadot de me rappeler. C'est vrai ou c'est une blague, tu vois? Et oh là, merci de rappeler à tout le monde qui est Yannick Jadot, parce que peut-être que certains ne savent pas. Ou on peut rappeler qui est Yannick Jadot, s'il vous plaît, parce que tout le monde ne sait pas forcément qui est Yannick Jadot. Oh, je vois, j'en ai vert. Ça m'est pas lui, c'est là. C'est le candidat du parti Européen. Président, d'accord, ok, j'avais pas l'info, ok, très bien. Qui a gagné contre Sandrine Rousseau à la primaire écologiste. Tout à fait. Oh, c'est vrai,
Moi j'ai dit les verts, je suis tellement vieux. Ah, les verts aussi. Ah, l'ancien. Les verts, on va pas chipoter, c'est les verts. On dit Europe Écologie et Verts en réalité, mais. Ça va très bien, d'accord. Donc tu dis pas l'UMP pour les Républicains, ça devrait aller, je pense. Moi je dis le RPR. Le RPR, voilà, c'est ça que je dis. Oh la barbe qu'il faut. Oui, mais moi c'est vrai que j'étais un peu gênée, enfin je sais pas toi Florence, mais parce que, ben, parce que en fait, franchement... La prise d'otage. T'as pas trop le choix en fait, enfin ben je pense que tu l'avais vécu aussi avec, avec Méluche. Moi j'en aurais rien à foutre en vrai. T'en aurais rien à foutre, mais moi quand je m'étais fait... Vas-y raconte-nous, ouais. Et tout, et t'étais un peu en mode... T'as pas forcément envie d'être attaché politiquement à cette personne, tu vois. Bah c'est ça, moi tu vois, genre Mélenchon, quand il m'avait raid, après pendant des semaines et des semaines, je recevais des gens qui me disaient genre « Ah ok, bah maintenant on sait de quel côté tu es, etc. » tu vois. Mais genre premier degré. Sur YouTube, t'avais eu des commentaires en deux sens. Oui, ils sont cons, mais bon. Ils sont cons, ça veut dire que si Étoile, il se fait raid par Eric Zemmour, bon, c'est la vérité, en l'occurrence, ça fonctionne, mais je veux dire, ça veut pas dire qu'il est soutien, quoi. Les fans, il adore. Ouais, mais si tu veux dire... Pourquoi il joue à Exclusive ? Tu vois. Oui, mais même s'ils sont cons, le problème, c'est que c'est ça le problème, quoi. C'est que des gens sont capables de dire ça, et donc du coup, ils ont ça en crâne, tu vois. Et toi, tu peux rien et t'es baisé. Genre, quoi que tu dises, t'es baisé en fait. Tu peux rien faire. Donc, moi, j'avais juste envoyé un petit message au man qui s'occupe de sa com pour lui dire J'ai pas kiffé, c'est la dernière fois. Ouais. Et en fait, je lui avais même dit de manière générale, faites plus ça, enfin, c'est pas une bonne idée, quoi. Voilà. Merci pour le subgift à YJado, bien sûr. Merci beaucoup. Par contre, il y a Circuit Mario. La personne qui a été Circuit Mario, tu as des goûts de merde. C'est Rivenzi. Et bah, Rivenzi, pas faire foutre. Ah ouais. Pas de faire foutre. Ah ouais, non, okay. Mais, non mais hein, en vrai, on est plus copains. Ah, les badges de Seb sont de retour. On est plus copains, Rive. Ah, les badges sont de retour. Ah, ah oui. Merveilleux. Ah oui, ah oui. On est plus copains, Rive. Ils sont pas les badges de Seb, ils sont plus copains, mec. Ils sont de retour. Et bah, la prochaine fois que tu feras un live dans un musée, mec, je ferai un tweet longueur. Parce que là, qu'il gêne, angle. Un peu longueur, ok, et toi, elle a repris un concept pour l'instant que je pensais pourtant partager uniquement sur ma chaîne à moi. Sur mon concept. Ils se servent de quoi ? Tu risques de refaire un truc longueur bientôt, quoi. Oh non, j'ai pas tiré demain. Ok, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que bon. Non, mais ils se servent de quoi pour faire leur com ? T'as dit des raids ? Ils se servent de ça pour faire leur com en fait, de faire un public jeune, etc. Et tout. Ouais, ouais. Et en plus, je sais pas toi, Florence, mais j'ai même été contactée par mail aussi. Ah, il y a des gens pour soutenir les verts. Ah c'est vrai, par mail ? Moi, j'ai reçu un mail pour sensibiliser ma commu et faire de l'appel au vote. Ah ouais ? Mais de qui ? Personne en particulier ? Tu sais plus ? Du coup, là, t'es en train de le faire, non ? Là, t'es en train de le faire, là, non ? Non ? Je le fais, je trouve ça... On peut peut-être faire un mail au président pour... Pour sensibiliser le président au débat, on peut peut-être lui envoyer un email, ce serait lourd, ouais. Oh là là, mais... Non, mais pense, là, j'ai l'impression que... Tu dis les... Non, mais... Non, mais ça va ! Tu dis les termes, là, pompon ! Non, mais ça va ! Hey, dis tout ce que les gens pensent tout bas ! Première... Oh bah ça dénonce. Vraiment. Eh, allez pompon, vas-y sur les barricades pompon, c'est bon, la révolution. Eh, c'est ma 8-6, j'en ai plus rien à foutre, frère. Allez camarade, vas-y camarade. Nique le CPE. Allez, camarade. Nique le CPE. Ça. Non mais en vrai. Non. Allez, le temps des cerises, c'est parti. Let's go. La commune. Il est tellement drôle de là. Mais c'est pas la première fois qu'il se passe ça en vrai ? Qu'il y a un refus de débat pour les présidentielles ? De l'histoire de la 5ème République ? Non, avant. Il a été refusé en 2002, mais au second tour. Au premier tour, oui. Non, au second tour. Non, cette fois. Non, en fait, avant le débat de la dernière fois en 2017, il n'y avait pas de débat du premier tour en fait. Oui, c'est vrai. Mais juste parce que ça se faisait pas, c'est tout. Il n'y avait pas de. Ah, alors, oui. Je vais regarder ce que c'est. Ah, oui, d'accord, ok. Oui, bien sûr, ouais. Oui. C'est juste un truc qui se faisait pas parce qu'on avait pas autant les chaînes d'infos, les chaînes machin, etc. Donc il y avait juste pas de débat comme ça du premier tour, etc. Il y a eu ça, il y a peut-être eu ça en 2012, je me souviens pas. Il y a eu ça en 2017. Et là, voilà. Ouais, les présidents sortants le font souvent en fait, apparemment. Enfin, quoi qu'il arrive, tu vois. Vous voulez pas revoter un peu de DLC ? Moi je suis chaud, hein. Moi je vote du DL aussi. Hein. Parce que Rivenzi il revote Circuit Mario là. Oh putain, mais. Non, mais c'est bon, excusez-moi, j'ai fait du zèle, pardon. Un peu de DLC quoi. Du coup, ça dit pas pour qui vous avez voté, mais bref, ok. Allez. Mais pour qui on va voter ? Et toi, Antoine, t'es plutôt quoi ? T'es plutôt quoi, toi, Antoine ? Moi, je préfère pas te dire. Il est trop demande. Quelle lourdeur. Lutte contre l'abstention. Et toi, Gims ? Bonjour à tous, c'est Gims. Voilà, juste pour vous dire mais non. Que je suis fier de collaborer depuis maintenant
quelques oui. années avec Valérie Pécresse. Ok, oh, non. C'est vrai qu'il avait vraiment dit ça et après il s'était excusé, je crois, ou je sais pourquoi. C'est une vraie phrase, c'est une vraie phrase. Oh non, non. Ça va être trop bien. C'est toi qui as rajouté les blancs ou il a. Non, c'est la vidéo de base, c'est vraiment la vidéo de base. Non, mais c'est vraiment la vidéo de base. Il hésite. Non, bien sûr, c'est réel. C'est réel. Horrible. Oh là là. On pense le fight ? Le fight. Non, non, tu vas encore me brain. Non. Oh putain. Non, mais dans le sens, c'est un vrai fight. Ah, mais t'as. Ouais. Bien joué. T'as un champipou. Après, de ce que ouais, t'as compris. D'après Jean Massier, dans Backseat de... sur la chaîne Backseat, les présidents n'ont jamais voulu débattre. Enfin. Oui, ah c'est oui, ça, d'accord, c'est pas ça. En fait, il y a 5 ans, l'exception c'était que Hollande se soit pas représenté et du coup. Les gens voulaient bien débattre, mais comme les présidents, c'est un peu des rageux, ils savent qu'ils vont se faire sniper, ils veulent pas aller dans les débats. Comme ils ont un bilan à défendre, c'est plus difficile. Quoi, les débats de quoi ? Sarko était pas dans les débats ? Mais Sarko, il était pas président avant. Si, ah, mec, il a si, été mais un... oui, mais si, mais il était ancien. Oui, d'accord, ok, maintenant il était ancien président. Il a été président, je crois. Oui, il a été président, mais. J'ai compris ce que tu voulais dire, mais non, il a été dans les débats de. Ah non, déjà, il a même pas gagné les primaires de la droite en fait, donc non, il a pas été dans les débats présidentiels. Il a juste fait la primaire de la droite en 2017. Ah c'est horrible, franchement, je passe un très mauvais moment. Oh non, Florence, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu t'amuses un peu plus ? Je sais pas ! Oh non ! Je sais pas. La course, elle est infâme en vrai. Elle est trop bien. Elle est incroyable. Elle est exceptionnelle cette map. Genre, incroyable. Premier degré, elle est dingue. C'est une de mes maps préférées de Mario Kart 8 Deluxe. Voilà. Je le dis aujourd'hui. Non, mais tu peux pas dire ça. Ah, je le dis honnêtement aujourd'hui. J'ai découvert aujourd'hui. Bah, je suis sérieux. Vous voulez quoi comme map ? Vous voulez quoi pour les prochaines maps là ? Faites votre liste de courses. Frank Baby, elle y est déjà. Non mais faut pas pour les prochains DLC, je veux dire. Ah. Bois vermeil. Waluigi Pinball. Ouais. Bois vermeil. Okay. DLC de Baby Only. Mais tu sais qu'il y a eu un leak, hein. By the way. Ouais. Mais il faut pas le dire du coup. J'ai envoyé à Étoile la liste. Ah ouais. C'est juste un leak avec les plateformes. Il y a pas les noms des maps. Si, moi j'ai le nom des maps. Hein. Ouais, moi aussi. Mais après, parce c'est pas que t'as ton nom que qui bosse pour Nintendo aussi. Non, mais après, c'est pas secret, c'est des trucs qu'il y a partout sur internet et c'est des trucs qui sont même pas confirmés en plus. On mais... en a parlé dans. Mais... Bah, c'est dans des. Okay. Non, si, il y a un truc où il y a eu des. Bah, lecture des fichiers du truc de quoi. Mais comme d'hab, en fait, ouais. le data minage, quoi, finalement. Mais putain. Oh, j'avoue. C'est vraiment le fléau du jeu vidéo moderne, hein, le data minage, hein, finalement. Mais après. En fait, c'est beaucoup basé sur une image qui est dans les fichiers du jeu, sauf que ça se trouve, c'est juste en attendant, ils ont mis des miniatures de circuit. Ça se trouve, ils ont juste mis des miniatures de circuit de Mario Kart Tour en attendant, donc c'est même pas fiable. C'est vrai, c'est possible. Ils ont juste mis des miniatures en attendant, mais du coup, bah voilà, il y a certains circuits qui sont possibles. Mais je sais pas si vous voulez les connaître après. Moi, vous savez ce que j'aimerais bien. Surprise, mais... Vas-y. Moi, j'aimerais bien le. Je crois qu'il s'appelle Stade Wario sur Double Dash. Je sais pas si vous en rappelez avec de la boue. Arène Wario. C'est la meilleure map de tout Mario Kart pour moi. Oh non, t'es sérieux toi aussi ouais. Ah, Twincy oui. J'adore ouais. aussi, putain. Twincy oh, cette map était dingue. Oh, j'ai envie de manger mon caleçon. Twincy il y avait que deux... Elle était tellement longue, il n'y avait que deux tours. Et c'était, oui, c'était trop bien. Exact. Twincy. Et Montagne DK sur GC aussi était vraiment oui. bien. Oui. Elle sera là normalement. Hein. Montagne DK va revenir. Hein. Comment on tu espère, sais on croise les doigts. Ah, d'accord, tu viens juste de leak en fait. Il y a des possibilités. Non, en vrai, c'est même pas sûr. En vrai, Pic DK, c'est même je pas sûr. Je vais être blacklisté par Nintendo, mec. Non, mais écoute, il y en a. Vous allez pas dire que je vais me faire blacklister par Nintendo pour ça, mais il y a deux maps. Elles sont littéralement en pub dans la map Supermarché Coco. Si vous regardez les affiches, il y a littéralement marqué le nom des maps qui sont pas encore sorties. C'est pas. Voilà, désolé, c'est pas, les gars. C'est pas du leak. Ok. Ça va. Il est juste observateur, en fait. Donc. Et oui, voilà. Et c'est juste aussi, il y a plein de maps. En fait, elles ont d'abord été remakes sur Mario Kart Tour. Et du coup, il y a beaucoup de chances qu'elles arrivent dans Mario Kart 8, c'est tout. Y a pas de. C'est pas du leak, oh là là. Montagne on a... DK, elle était incroyable. Et ouais, je. Mais pourquoi on vote Excite Bike alors qu'on est sur ce J'avoue qui a fait ça là. C'est Antoine, c'est non, Antoine. C'est pas que c'est Antoine, c'est Antoine. Bah ouais. C'est pas moi. Si c'est toi. Mi-temps. Non. Putain, les maps DLC à chier. Et je crois qu'ils veulent mettre toutes les maps de MK Tour, en gros, toutes les maps villes de ouais, MK ouais, Tour. A priori, ouais. Ouais. Donc ils vont faire. Tu sais, il va y avoir New York, LA, enfin toutes les maps. Mais non, viens. Viens, bro. Non, je fais la grève. Viens, bro. Oh, il est insupportable. Viens, bro. Je fais la grève. C'est ce qu'on appelle un joueur. Viens, bro. Je suis fan de ouf, par contre. Hein. Tu sais que je suis vraiment devenu quelqu'un de super fun. Et vous savez que. Vous savez que lundi, Étoile, il vient dans les amis de bourreau avec moi. Oh, sérieux ? Ouais.
Oui. S'il est debout, c'est non, parce que 14h, c'est, ouais, 14h. C'est super tôt, man. C'est à 14h30. C'est super tôt, bon courage. C'est à 14h. Merci, merci étoile. C'est à 14h. Personne ne fait des émissions à cette heure-là. Ah, je suis en live depuis déjà plusieurs heures, hein, bro. Personne, personne. Déjà que Popcorn, bon, c'est à 20h, c'est déjà abusé. C'est mais abusé. Alors. Quel enfer, ce type. Oui, en plus, c'est pas vrai, t'avais. Mec, t'étais en full yes life il y a genre une semaine, t'étais propre. Mais oui, qu'est-ce qui se passe là, le stream en matinale là? Là, j'ai un gros problème, je me lève à 18h45 oh, tous les oh, jours. Oh putain, t'es le pire mec. Parce qu'en fait, je joue au jeu de la Zilan et à chaque fois, je me dis que je vais me coucher à 2h et je finis par me faire une dernière run Elden Ring à 11h30. Aïe, aïe, aïe. C'est mon gros aïe, problème. Aïe, aïe, aïe. Ah, 11h30 du mat? Ouais, vraiment, je suis une catastrophe là en ce mais moment. Mais je sais pas, et ça te fait pas te déprimer en vrai? Ah, de ouf. Je déprimerais de ouf. Mais de ouf, mais j'arrive pas à me recaler. Ah, mais en fait, vu que j'ai. En gros, vu que. Je... Tu sais, c'est généralement quand j'ai mes potes sur Paris et tout et que je sors, et bah, des fois, je me force un peu à me lever le matin. Mais là, vu que j'ai rien à faire, et bah, j'ai la Zilan et je suis dans le vortex. Ouais, je comprends. Après, les jeux Zilan sont cool. Putain, ça, je comprends, t'es ouais. Sérieux? Les jeux Zilan sont vraiment trop cool, ouais. Je kiffe. Ah non, j'étais trop bien, putain. On est plein. Mais je suis content de faire des amis, bro. En plus, on va parler Nintendo, donc bravo. C'est le principe de l'émission, Mario Kart, bro. On va parler. Pas de Smash, quand même. De Hogwarts Legacy sur Switch. Oui, Smash quand même, non? Smash. Sur à quoi avez-vous joué cette semaine? Bah, Smash. T'es plus invité dans les amis, bro! Est-ce qu'on va parler de cette bombe? Putain! Oh, mettez ce clip, oh, mets ce clip, Rayou. Donne-le en arrivant au Real. Donne-le en arrivant au Real, tu lis ça. Est-ce qu'on peut revenir sur cette bombe si. Je suis en larmes, actuellement en larmes. Je suis actuellement en larmes aussi. Pourquoi elle a fait 4ème ulti alors qu'elle était première toute la game? Je sais pas, mais j'ai vu un truc exploser à un moment donné. Cringe un peu. Bisous. Ambiance chelou. Tu sais, j'allais dire si tu veux, on se rejoint avant et on mange ensemble. Oh, putain. On discute. Bah, et là, t'as pas envie de discuter là. Non, j'ai pas envie de discuter avec toi en fait. Mais si, juste on envie... ira prendre un petit. Juste envie de te mettre courir. Une tatane quand je vais te voir en fait, c'est tout. Bah, c'est tout ce que je mérite. La tatane. Un bon gros coup de genou dans ma gueule. Bah. Oh, ouais. Le live qui va se transformer en juste tabassage d'étoiles. Trop bizarre. Ce serait mérité. Ken Bogard qui me roule dessus avec son vélo. Voilà. Le fameux vélo. Le fameux. Ah bah ouais, hein. C'est tout ce qu'il faut. En c'est tout ce qu'il faut dans la vie. Exactement. Oh mais chocolat, ça, c'est un très oh, bon choix de la part de Rive. De ouf. Ouais mais c'est un très bon choix de la part de Rive, on l'embrasse. Choco parce que généralement il va ouais. Circuit Mario. Choco elle est trop bien. Elle est trop bien cette pop. Oh, la montagne Chocobo. C'est parti les amis. C'est parti. D'ailleurs dans Chocobo GP, sachez que en fait il y a une version light sur le jeu qui te permet d'accéder au GP et ça c'est cool. En vrai c'est un peu comme dans Mario Tennis. C'est vraiment une phase de poule, enfin un tournoi quoi en gros. Ah c'est pas mal ça. Ouais ça c'est vraiment bien et j'aimerais trop avoir ça sur Mario Kart parce qu'en vrai c'est fun, tu vois, genre si tu finis dans les 4 premiers, t'es qualifié pour la suite, etc. 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 Et en fait, ça, c'est dans la version light et c'est gratuit. Et après, il y a aussi un autre mode de jeu qui est aussi disponible dans la version gratuite. Et après, il y a la version payante qui a 50 balles. Donc, c'est celle que j'ai. Et en fait, cette version payante, tu as quand même les pubs en mode gacha game de la version gratuite. Donc, on te propose d'aller dans la boutique, on te propose d'être dirigé vers le e-shop pour donner des sous, pour payer du mithril en vrai euros, en fait. Alors que et genre, c'est vraiment interface jeu mobile. Oh, c'est alors l'enfer, que ça. Toi, t'as payé 50 balles. Et donc, t'as les mêmes pubs en mode gacha qui t'aggro quand t'arrives sur le jeu que quand t'as pas payé, en fait. C'est un peu l'enfer, ouais. Ça, c'était forceur. Et le jeu est sur Switch, du coup, j'en ai pas du tout entendu ouais, parler. Ouais, ouais, ouais. Et ça. Rivenzi, okay. T'es mute ou quoi? Je crois qu'il est mute depuis 20 minutes, Riv. Je sais pas si c'est fait exprès, peut-être que ça va, je sais pas. Ah, mais je parle et tout, c'est énorme. Oh, non. 20 minutes, c'est énorme. Bonjour, Rivenzi. Ça va, Riv. Alors je demandais c'est quel jeu, j'ai pas entendu et tout, oh on me répondait pas, je suis en mode... Chocobo GP, Chocobo GP. Mais on t'adore, pose-toi des questions en ce moment. Moi j'ai pas vu la diff après. J'étais en train de déclarer ma flamme à pompon mais c'est trop tard du coup. Oh non bro, je t'adore aussi, qu'est-ce qui se passe? Bah non bah c'est trop tard, je l'ai dit du coup oh déjà non, en live. C'est qui la bombe là? C'est moi. Tout le monde qui a trois personnes qui revendiquent m'avoir explosé la gueule, vraiment c'est... Non c'est moi, t'inquiète. Non, je parlais des tanks de la Seconde Guerre mondiale avec mon chat et du coup vous répondiez pas et ok. Oh non. Oh non. Oh là là, alors du coup ce que je disais sur les tanks de la temps, Seconde Guerre mondiale. On a vraiment rien à dire dessus mec hein. Vraiment. Ah ouais. Mais non, j'ai pas fait exprès de faire ça. Les chars Sherman. Ça a ruiné ma vie. Ouais, par rapport aux chars, t'inquiète bro. Ok. Ah, je pouvais pas ruiné ma vie, ça va être le nom de ton prochain best-of. Ah mais vraiment, t'as ruiné ma vie. Mais c'était mérité.
Oh non, pas la rouge. Et tu vois, ça c'est ce qui, pour parler des modes de jeu choco machin là, c'est ce qui manque à MK, c'est d'autres modes de jeu qui font que t'as envie de jouer autre que faire du mondial quoi, ou jouer avec des potes. Ouais. Genre je sais pas, un petit tournoi en mode après 4 courses, ceux qui ont plus de 40 points sont qualifiés pour une demi, puis après une finale, enfin j'en sais rien tu vois. Et en fonction tu gagnes plus ou moins de points, je sais pas. Tu vois. C'est vrai. Clean sheet. Elle mousse encore. Florence, on voit ma harmonie qui est en mode queen. Et juste derrière, on voit Luigi qui est en mode putain, ça me dit, c'est de la merde. Mais Chocobo GP, par contre, ça, au niveau des courses même, ça va pas vraiment tout doucement. J'avais l'impression que regardais les GP. En fait, ça va pas doucement, mais t'as pas l'impression d'adhérer au bitume et t'as pas l'impression de tourner, de faire des boosts. Et parfois, moi, je me trompe souvent de sens aussi. Genre, et il y a des objets qui sont très intéressants, mais il y a des objets qui sont complètement baisés. Genre, il y a un objet, c'est littéralement un vortex. Genre, tu rentres dedans et ça te met plus loin dans la map devant quand c'est positif. Et après, il y a aussi le vortex que les autres peuvent te poser sur la map. Donc, je pense qu'on deviendrait fou ici dans Ponce la Switch. Genre, qui te remettent en arrière. Tu rentres dans un portail qui te remet en arrière. Et de toute façon, c'est on y joue juste après, on est d'accord. Hein. Voilà. Attends, Rayou, attends. Ah. Merde, pourquoi il faut faire quoi? Désolé. Bah, on aurait pu faire un petit jeu de Yoshi. En vrai. Bon, on peut le faire après. Il y a que 8 courses. C'est vrai. On peut changer maintenant. On fait après. On fait encore un normal. Je fais juste un pipi et je vais chercher de l'eau. J'arrive, bien sûr. Bon pipi, oui. Merci. Emeline Paris. À Paris. Je sais pas si vous l'avez vu la série, mais moi je l'ai maté un peu. Et oh. Putain, oui. J'ai maté toute la série. J'ai vu des vidéos qui en parlent. Cliché sur pattes. Apparemment la série elle est faite pour être cliché en fait. C'est pas fait pour dépeindre Paris dans ce que c'est pour de vrai, tu vois. Ah non, mais c'est fait pour ça. Mais vraiment, il y a des fois où je me dis, imagine t'es américain et t'as strictement aucune idée de Paris et tu vois ça. Et en vrai, c'est trop marrant. Oh putain, Rivenzy. Volcan grondant, quoi. Désolé. Ah putain, c'est vrai que ma batterie faible depuis tout à l'heure. Là. Batterie faible et la rechargée. Et c'est clairement pas un cliché que sur Paris, parce que sur les Américains, il y a des clichés de fou aussi. J'ai oublié. Je pense que tu vas dans certaines villes américaines. Tu sais, quand on te vend San Francisco, mec, apparemment, tu vas à San Francisco pour de vrai, c'est en mode ah. Bah en fait, pareil. Pour te résumer la série, c'est baguette, on baise, baguette. Les Américains sont extravagants, voilà. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai vu quelques épisodes de la série, effectivement, j'ai vite arrêté. C'est quelle série? C'est Emily Paris. Et moi, je sais qu'elle est nulle, du coup, je veux pas perdre mon temps, quoi. Ah. Bah, franchement, il y a des trucs marrants. Non. Franchement, il y a des trucs où je suis en mode ça passe le temps, tu vois, c'est rigolo à mater en binge-watching. Hein. En binge-watch. Tu binge-watch un peu. C'est quoi, c'est l'histoire d'une américaine à Paris, c'est ça? Une américaine dans une agence de com. Elle s'appelle Emily. Elle est à Paris. Elle est à Paris, ouais. Ok. On a attendu 8 ans les DLC pour jouer sur Volcan Grondant. Oui. Et ça, c'est Rivenzy, hein. Après, moi, je regarde The Crown et c'est vraiment super bien comme série. The Crown. The Crown, c'est trop bien. Ouais, Fall Guys. The Crown. J'adore cette série. Ah ouais, c'est vrai. Mais en fait, tu as la deuxième saison, là, Florence. En fait, c'est trop stylé parce que du coup, t'as le côté d'une série classique en mode histoire de famille, etc. machin. Mais comme c'est la famille de la monarchie d'Angleterre, c'est genre à côté de la grande histoire, quoi. C'est adossé à des événements historiques de ouf et t'es en mode ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment. Il y a des trucs qui sont giga connus et d'autres qui le sont un petit peu moins et qui ont été importants dans la famille royale et je trouve ça vraiment trop bien. Et ce que j'aimais trop regarder après avoir maté les épisodes, c'était justement qu'est-ce qui était de la fiction et qu'est-ce qui était. La réalité, tu vois, et du coup, j'aimais bien aussi faire ce travail de recherche ensuite. C'est exactement ce que j'ai fait par exemple, parce que du coup, si t'as regardé la série, je spawn rien, mais tu sais, quand elle fait le speech à Noël là, télévisé, désolé, bro, et ben en fait, je suis allé retrouver le premier vrai speech, tu vois, en mode putain, mais du coup, elle, c'est vraiment ça, et du coup, c'est trop intéressant de pouvoir comparer le vrai, le faux. Après, ça reste une série, donc après, je suis pas du tout. Ils sont obligés de romancer des trucs, forcément, tu vois, ils sont obligés de. Pour la fiction, de faire des dialogues qui ont peut-être pas eu lieu dans la vraie vie, ou en tout cas pas comme ça et tout. Mais de toute façon, tu regardes pas cette série pour te renseigner sur la famille royale, c'est du divertissement aussi. Mais il y a pas mal de choses. Une porte d'entrée, si tu veux te renseigner, c'est une porte d'entrée, quoi. Ouais, de ouf. Et moi, je suis à jour, j'ai regardé les 4 premières saisons, et du coup, tu sais qu'ils changent d'acteur entre la deuxième et la troisième. Oui, on m'a dit, ouais. Pour les mêmes persos, et, quoi. Et en fait, ils avancent de 10 ou 20 ans, je sais plus. Bien joué pour.
Et du coup, tous les acteurs, bah, ils les ont changés pour que ce soit plus réaliste au niveau de l'âge qu'ils avaient. De l'âge, etc. Quoi, ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis attaché aux acteurs. T'as dit quoi, c'est ça. Moi, je suis au milieu de la deuxième saison et j'allais te poser la question. Est-ce que du coup, ça t'a pas fait bizarre quand il y a eu un changement d'acteur? En fait, au début, ça te fait bizarre. Mais comme tous les acteurs sont très bons, que ce soit des deux premières saisons comme de la 3 et 4, en fait, bah, ça t'embarque très très vite et c'est très très bien foutu parce qu'ils ont vraiment bossé leur jeu d'acteur et tout. Et du coup, ça, c'est vraiment ultra convaincant. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé le changement entre les saisons, mais la plupart, ils étaient en mode « Ouais, franchement, ça marche bien, quoi ».